Salut tout le monde, c'est Guillaume qui est avec vous autres pour un autre mercredi Twitch du temps des fêtes, bien sûr. Donc, mercredi Twitch d'Arcade Québec, Arcade Québec, un podcast sur l'industrie du jeu vidéo. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur arcadequebec.com, le podcast numéro 84 est disponible dès maintenant. Donc, podcast qu'on a enregistré live, dans le fond, et diffusé live au bar de Gaming, le Level Up à Québec 732, si je me souviens bien, rue Saint-Joseph. Ouais, là, je vais vraiment de mémoire parce que je n'ai pas les informations ici, mais si vous voulez avoir plus d'infos, allez sur leur site web, en fait, vous pouvez aller sur leur page Facebook, donc facebook.com/levelup, LVLOP. Donc, salut déjà à Dimitricus qui est là, je l'ai dit comme ça, Dimitricus, oui, donc je suis un peu dyslexique quelquefois, donc allez voir ça, podcast 84, dans le fond, c'est notre revue de l'année, c'est la même chose qu'on a faite l'année dernière, donc on revient autant sur les grosses nouvelles qu'on a eues cette année dans le jeu vidéo, autant que sur les nouvelles pour Arcade Québec, donc une année quand même assez chargée. On a même dévoilé pour la première fois nos chiffres, donc pour montrer, dans le fond, aux gens le genre de progression qu'on a eu cette année, donc je n'ai pas fait les calculs, donc je le dis bien, donc cool. Donc le nom, j'ai pas été dyslexique. En plus, c'est comme je le vois en bleu sur noir là, avec mon bot, donc c'était un peu difficile. Donc comme je le disais, là, j'ai pas regardé les pourcentages là, en fait, mais le pourcentage de progression est quand même assez impressionnant. Donc allez voir ça, arcadequebec.com, bien sûr, si vous aimez ce qu'on fait. Faites des reviews positifs, allez vous inscrire à toutes nos chaînes, autant Facebook, Twitter, Instagram, je sais qu'on n'a pas les... On a-tu l'info d'Instagram là-dessus? Non, faudrait le rajouter. Mais bref, tout est disponible ici en même temps que toutes les informations et les autres vidéos d'arcadequebec.com. Ouh, ça fait beaucoup de mots à dire. Laissez-moi prendre une bonne gorgée de café pour m'hydrater. Donc, effectivement, c'est mieux ce bleu Dimitricus qui change de couleur pour ma déficience de couleur. Donc, je suis pas daltonien, mais disons que ça faisait juste mal sortir, mais effectivement, merci, c'est beaucoup mieux. Donc, ce soir, on revient avec un spécial GTA. Pourquoi encore GTA? Parce que GTA, en fait, c'est GTA Online et... comment je pourrais dire? Et un de mes jeux préférés de tous les temps. Alors que là, je suis quasiment à pas de frame par seconde. Je trouve ça un petit peu tannant. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera pas long. On va effacer ça ici. Bon, ça a l'air un petit peu moins pire. Ouais, la dyslexie colorimétrique. Peut-être la déficience colorelle. Non, j'invente des mots. Donc, j'essaie d'inventer des maladies. Et oh, Mathieu qui est là? Donc, on va aller rejoindre Georges et Mathieu qui semblent être là, qui s'est libéré dans le fond, mes deux comparses de d'habitude avec qui je joue à GTA Online. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, comme j'allais le dire, avant de passer à 8 sujets en même temps, c'est dans le fond, on présente le nouveau DLC de Grand Theft Auto Online que je n'ai pas encore présenté. C'est pas la première fois qu'on fait du GTA Online, mais GTA offre tout le temps du contenu gratuit de ce temps-ci. C'est pratiquement à chaque mois et j'aime bien tout le temps revenir avec GTA pour montrer à quel point le jeu a évolué, même si le jeu était déjà bon à la base, là, qui évolue tout le temps avec des contenus gratuits. Là, on s'entend que gratuit dans le sens que ça coûte rien. Par contre, si vous voulez acheter des voitures et des trucs du genre, ça vous coûte de la GTA dollar. Donc, si vous ne faites pas de mission comme moi depuis des mois, ben, vous ne pouvez pas rien acheter. Donc, on va essayer de vous montrer tout ce qui est des nouveaux véhicules, tout ce qui est des nouvelles missions. Et on voit déjà des bugs. C'est génial. Donc, c'est ce que je disais. Si vous avez écouté le podcast 84. Donc, on va essayer de vous présenter le jeu. Par contre, il y a les modders qui sont revenus. C'est vraiment... S'il y a un gros défaut à GTA Online, c'est que depuis la sortie, il y a 3 ans, il y a des tricheurs et la façon que le jeu a été programmé, ça n'a pas été pensé. Comme certaines autres compagnies, dont Blizzard, qui me revient tout le temps en tête là, dans le genre anti-hack sur le jeu en ligne. Donc Rockstar a un peu mal fait son travail, sauf que c'était moins pire dans les derniers mois, surtout sur PC. Donc, Georges, justement, qu'on voit dans le chat avec Mathieu, là, il y a des modeurs, Georges et Mathieu, qui vont changer de session. Donc, je vais aller les rejoindre en même temps que je vais les appeler.
Donc, je ne sais pas s'il a encore changé de session. Mais on va faire ça et je vais les appeler sur Skype. Donnez-moi quelques instants. Hello? Yes, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Yeah, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Cool, cool, cool. Je vais peut-être monter par contre, vous autres, un petit peu votre volume. Donc, ça va, les gars? Yes, ah, comment ça, ça? Oui, oui, ça va, toi? Non. Moi, on t'entend pas fort. Donc, Georges et Mathieu, on est live. Vous pouvez dire bonjour au stream. Ah ben moi je suis là, mais Mathieu n'a pas l'air d'être là dans... Attends un peu, je vois juste c'est quelque chose. Je vais essayer de refaire le groupe. C'est bon, c'est bon. Ah. Donc on va attendre que Georges nous rappelle. Donc le plan pour la journée, ça va être de vous montrer tout ce qui est les nouveaux véhicules. C'est surtout ça que je voulais mettre l'emphase. Les nouveaux véhicules sont complètement malades mentales. Yes! Hello! Yeah! J'entends Guillaume. Donc, on a Dimitricus qui vous dit bonjour à Georges et à Mathieu. Là. Salut, Dimitricus. Alors, Mathieu, il répond pas. Non, Mathieu, il semble avoir de la difficulté en attendant. Je vais peut-être vous mettre un peu de musique parce que c'est un peu dull de voir des écrans de loading. Hello, hello. Ah! Yeah, là, c'est correct. Ah, oh, puis il y a une session avec pas trop de monde, fait que ça va bien. Ah. Donc, ça va, Mathieu? Yes, ça va super bien. Donc, je sais pas pour vous autres, là, moi j'avais pensé à faire comme d'habitude, là, montrer tout ce qui est des nouveaux véhicules, puis peut-être, genre, je vais refaire les missions, quelques-unes des missions pour montrer ouais, comment les obtenir. Je pensais. Vous êtes-vous dans une session ensemble? Moi, je suis dans une session, je passais avec Georges, mais je suis dans une session tout seul avec quatre autres personnes. Tu fais une session tranquille pour starter ça? Ouais, pour juste montrer les chars, pas se faire écœurer, se faire dropper des hélicoptères dessus. Là. C'est fou, hein? Non, c'est ce que je disais là, tantôt, c'est que les modeurs sont vraiment revenus avec intensité. Il y en a qui appellent ça des hackers. Pas moi. Bon, c'est des utilisateurs de logiciels. C'est le genre de menu. Tout le monde peut faire. Ben, c'est ça, c'est vraiment comme dans le temps, là, des trainers pour changer tes save games, quasiment. Là. Un trainer, c'est ça. Ouais. Pas de la vraie argent, Malène, à mon vrai compte de banque, là, je vais te traiter d'accord. Donc, on va sortir par le toit, comme d'habitude. Donc, on va. Sortir par la job là, que tu dois faire, là, le faire de tronc, les bicycles de tronc. Ah, c'est vrai, les bicycles, parce que c'est vrai, aujourd'hui, tout le monde sait que la princesse Léa est décédée, là, c'est quoi, hier? Puis, par contre, aujourd'hui, ouais. Peut-être passer sous le silence, mais Kenny, l'homme tronc, est décédé. Donc, à l'honneur de Kenny, l'homme tronc, qui est décédé aujourd'hui, on va faire les genres de courses de tronc. Pour vrai, c'est aujourd'hui, t'as pas de ouais, rapport. Ben, moi, j'ai lu ça j'ai vu ça dans les nouvelles aujourd'hui. Là. C'est sur la presse. Un an ou deux que Julie Veilleux me disait. Ça se peut. Peut-être qu'il était juste. Magané. Ouais, donc, Georges, je te laisse partir. Oh, il y a un autre. Il y a plein d'hélicoptères qui se partent. Ah oui, il y en a encore plein ici. Hein? Tu peux pas y prendre. Non. Ben, j'ai essayé tantôt. Ah ouais. Eh. Quand tu bugs, là. Bon, Dimitricus qui semble le dire que justement qu'il est mort depuis un bout de temps. Donc, moi, j'ai vu ça aujourd'hui. Soit que j'avais une genre de vieille crise de page en cache depuis un bout de temps. Mais en tout cas, bref, on va. Ah, ça se peut. C'est peut-être, il est peut-être mort l'année passée à cette date-là, puis c'est ça que ça a fait. Ils ont mis une vieille nouvelle, là. Alors que Mathieu fait des drôles de... Non, mais c'est toi. Moi, je te vois comme sauter sur le toit. Ben oui, mais moi aussi. Mais moi, je suis dans l'hélico, puis toi aussi. Eh, c'est weird. Suive ton point, là. Je sais pas, t'es... Donc, Georges, nous as-tu invité, non? Ah, mais c'est j'ai passé la mauvaise affaire. J'ai oublié le nom. Ah, Guillaume, c'est parce qu'on est dans un hélico modé. Ah, moi j'embarque pas là-dedans. Moi je suis dedans. Moi je suis dedans. Ouais, va pas me faire bannir pour voler dans un faux hélicoptère. Je me suis plugué sur mon autre joueur, Georges, hier. Ouais. Je me suis fait doper 20 millions. Voyons. Au pire. T'es chanceux, moi je me fais tout le temps transformer en sapin. Faut dire que je continue à faire chier les gens. Là, c'est peut-être pour ça. Je me suis fait doper
100 000 à un moment donné. Non, moi j'ai... C'est ça, j'étais avec mon bonhomme actuel, là, le Belinsky, puis je me suis fait dropper une dizaine de millions. J'ai fait, vraiment, je change de bonhomme, puis j'ai retrouvé la même session avec mon vrai joueur. Okay. J'ai entendu. Ah, fuck, il y a déjà du monde ici. Déjà plein. On va se poigner ça. Ah, là-dessus, il y a personne qui fait stuffer ce mode-là. Donc, j'espère dans le chat, si vous pouvez me le dire, si le son de la musique est assez forte ou peut-être trop fort. Ah, il y a pas mal qui me bat. Non, c'est ça, moi, tout ce qui s'est passé, moi, depuis que j'ai recommencé à jouer dans les dernières journées, là, c'est vraiment, je me faisais transformer en sapin, dropper des chars de police sur ma tête. Ouais. C'est plus donc, des mauvais modders qu'il y a qui arrivent. Bon, c'est ça. Bon, George. Ah, il est trop tard. Ouais, mais je veux quitter, là. Il y avait un host, mais je me suis dit, on était juste deux, fait que j'ai invité, mais il est sorti ça tout de suite. Alors que j'ai oublié ma voiture. C'est de la merde que tu là, on est en train de streamer, oui, on est live. Ben, je vais m'en faire venir un truck. Donc, le son du jeu est correct. Ouais, ben, c'est ça, peut-être en attendant. Je vais aller te voir. On en a pour 15-20 minutes, le temps que Georges réussit à trouver comment installer une game. Non, je suis capable, parce que jusque-là, d'habitude, c'est facile, mais là, il y a plein de monde qui veulent la faire, ça, là. T'es où, ok, tu étais là-bas? Oui. Ouh, excusez pour ça. Peut-être juste monter le son. Hein, Guillaume m'a quitté la game. Hein? C'est planté. Oh! Je vois un invite. Ah, t'as marqué, c'est déjà du monde qui joue. Moi, j'ai pas d'invite. Ok. Ah, puis Guillaume, non. T'envoies pas d'invite à Guillaume. Non, si t'envoies Friends, moi ouais, j'ai planté dans la session. Là. Oh, attention! On m'a supposé quand même. Deadline 7? Ouais, c'est ça. Oh, ok, j'allais. Ah, c'est ça pour vrai? On va être. Ça, c'est drôle. Mais random et tout. Ouais, on s'achante sur le random, ouais, il est parti. On le fait à 3 puis. Donc, les courses de tronc. Oh non, un autre, un 4. Donc, il va falloir que tu m'expliques, genre, c'est quoi? Parce que ça, c'est la patch dev, hein? Le DLC, dans le fond, ouais. Il y a eu deux DLC depuis le dernier stream. Des troncs. Détron. D'ailleurs, vous savez que c'est le nom de la voiture électrique de Audi, ça? La E-tron? Ouais, la Tron. La E-tron. Ouais. Ouais. Donc, tu iras voir ça, Mathieu, sur Internet, là, mais la E-tron, c'est la voiture électrique prototype de Audi. Là, Guillaume, c'est pas bien compliqué. Faut que tu roules, puis faut que tu nous empièges dans ton fil de couleurs qui te suit tout le long. Comme Tron. Ouais. Tu sais, le film Tron, ben c'est ça. Ton gros cétron de couleur qui tue. Rose, ouais. Les autres dans ton étron. Il va être rose. Là, il y a des jumps, les pourquoi là? Ça marche comment? Je suis tout mêlé. Roule, puis essaie de me faire poigner dans ton fil qui tue. Mais là, y a-tu de quoi qui me suit? Y a rien qui me suit. Là, y'en a. Oh, là, y a quelque chose. Là, ça vient de partir, là. Ah! Ok, puis les beaux, c'est le klaxon. Il est dead! Oh non! Ouais. Ben oui. Il faut que t'es pognes. Ils sont justement sur des genres de le jump. De plateforme. Ah, puis ça reste là, genre à l'infini, ça là. Si je passe par-dessus, ça marche-tu? Attends, elle fait peut-être 200 pieds. Ah, ok, elle arrête après ça. Ouais. Ça descend-tu, ça? Je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il y a un phare dans le milieu, mais bon. Ouais, moi non plus. Pour nous aveugler. C'était un dead match, c'est quoi? Oh non, on a deux vies. Ouais. J'aurais pas en mettre plus, mais. Ça me demandait pas. Ouais, ben je pense pas qu'on va jouer à ça très longtemps. Non, c'est ça, on va essayer pis la tête. L'affaire, c'est qu'il faut que tu te serves du radar aussi. Hein? Oh, ouais, c'est sûr. Oh! Hey, je pensais que j'allais crever. Hein? Ben oui, quand ça t'es pas mort. J'ai rentré dedans, mais j'ai pas rentré dans ton électron. Ah
Tant que les électrons s'en allaient. Non, pas l'embout, je savais même pas qu'on pouvait en l'embout. Ben c'est oui. Pas breaké complètement, mais ça avance toujours un peu. Tu sais, il me semble que la map est grosse pour. Ouais, puis c'est maximum 4 joueurs, fait que c'est bizarre. Ben, ça marche dans ce cas. Ouais, faut que tu checkes la minimap. Tu me changes, j'avais un jump. Je pensais que tu jumpais en ligne douette quasiment. Ouais. En mouchement. Moi je me sers vraiment. Je suis pareil comme dans Mario Kart dans le temps, dans le fond. C'est, je me... Oh, j'ai sauté. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, je me sers de la minimap là, pour te coincer. Ah, rien, je suis mauvais. Tout ce que je fais, c'est la même affaire tout le temps. Non, 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 non. Non, 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 non. Il est pas plus le fun que ça. Ah! Va chier. Va chier. Donc, tu penses pas une fin de semaine là-dessus? Non, c'est non, genre, c'est une bien. Game comme ça, c'est assez. Donc, ça l'a bien. Y a-tu deux rounds? Je pense que oui. Ça me semble ça. On fait a deux carrés aussi, mais qui donc? Oh! Les jokes avec Guillaume me manquent. Donc, Dimitricus que, là, qui rit, qui dit waouh, là. Donc, ben, Georges qui a réussi à m'avoir avec une triple feinte à Gordon Bombay. Là. Donc ça, ben en fait moi, ouais, ça peut être le fun mettons avec ben de l'alcool. Ouais. C'est sauf qu'il faudrait, ça prendrait, je sais pas, j'ai pas vu les autres maps, mais disons que celle-là elle laisse. Ouais ben ça, j'avais jamais fait celle-là que je me suis essayé. Là j'y ai vraiment été avec la map en bas, là, je regarde pas en tout. Ouais. Recabra est pas super efficace. Oh, Dimitricus qui dit que ça lui donne le goût de réinstaller le jeu. Écoute, réinstaller tout de suite, c'est un jeu de malade mental. Là, Georges à l'intérieur, faut pas que je change de bas. Donc, j'étais pas du bon côté là, pour essayer de repasser devant lui. Donc, je sais pas si Dimitricus, si t'avais déjà joué à GTA Online, je sais pas c'est quoi le statut pour, mettons, un nouveau joueur. Là, doit être assez. Disons que j'aimerais pas ça recommencer à leveler comme dans le temps. Oh! Oh non! Et tu montes aussi? Ouais, 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 ah, ouais je suis rentré. Ce qui est le fun à ce jeu-là, c'est tout à voir. En fait. Si ça commence du début, c'est long, là. Ouais, ouais. Ben, même moi, que je suis pas capable de tout avoir, là. Bon, je fais plus rien sauf faire exploser des voitures de 20 000 piastres, là, faut dire. Mais je te dirais, puis c'est ça que je veux montrer aussi, là, c'est une bonne façon, les autres affaires avec les packages, les autres jobs de CEO, tout, je trouvais que c'était un peu de la merde. Sauf que ouais, les vols de charge, je trouve que c'est plus payant que ce qu'il y a eu à date. Ouais, parce que ça ne coûte rien, tu sais, les CEO. C'est les, ça. Ouais, les crates, avec les achètes. Parce que là, la seule affaire que tu payes, c'est des réparations, dans le fond. Ouais, tu payes les réparations, puis tu peux te le faire voler après ça. Sauf que tu payes pas pour aller voler la voiture. Là. Puis c'est quand même, ça peut être payant. Écoute, avec tu peux faire 80 000 tout seul en solo avec des voitures high-end. Là. Donc 80 000 de char. Disons que j'ai senti l'autre jour que mettons, tu passais tes journées à grinder. Là, tu peux quand même faire une coupe là, de 100 000 $ dans une journée. Là. Je pense que j'ai fait 1 million à date avec les chars vendus. Bah c'est ça, mais un garage chez 1,5 le moins cher. Ouais. Oh, c'est Stéphane qui vient d'arriver, donc Pinponé, le boss d'Arcade Québec. Donc Stéphane, présentement, d'un, salut, comment ça va? Et de deux, on présente présentement le mode Tron, qui est pas le dernier DLC, mais l'autre d'avant. Donc à l'honneur de Kenny, l'homme Tron, supposément qu'il est mort aujourd'hui, mais pas mort, mort avant ça. Moi, j'ai vu ça sur la presse aujourd'hui, donc probablement une erreur, on dit qu'il est mort depuis un bout. Oh. Non! C'est comme pas chouette. Disons que Mathieu a lu ce que j'essayais de faire. Non, pas tout. J'étais allé dans le mur, moi je me suis dit, il peut pas passer, j'arrive dans tout. Ouais, mais moi je pensais que t'allais continuer. Hein? Ouais. Ouais, j'espère que c'est juste deux rounds, parce que honnêtement, c'est pas trop le fun. C'est deux rounds, mais c'est le premier qui gagne deux rounds. Oh! Fait que là, faudrait que moi je gagne, que ça dure encore plus longtemps. Vous êtes bon à rien!
Merci Stéphane qui me traite de bon à rien. Mais ben, honnêtement, ça pourrait être plus le fun sur une autre map là. Moi je verrais de quoi avec un peu plus de monde. Ouais, mais ça, j'ai toujours voulu un genre de mode Mario Kart, ça serait malade. Mais ça prendrait une map, je sais pas si vous avez joué à Mario Kart 64 ou t'avais un genre de map à trois étages là. Au premier. Bon, ouais, mais c'est un peu le même genre, mais tu sais, de ces genres de maps-là. Mais j'ai toujours rêvé parce que tu sais, on a le mode GTA. T'as le mode GTA, les c'est courses. Ouais, j'ai comme passé par-dessus ton truc, c'est Space. Mais bref, pour finir mon idée, les courses GTA, mais t'as juste comme des roquettes, là, c'est un peu poche. Mais si t'avais un genre de mode Mario Kart à GTA, ça pourrait être malade. Voyons, je passe tout le temps à côté. Victoire! Facile! J'ai pris dans les airs, je vais chercher des points en dessous. Trac! Yes! Superbe! Non! J'ai rien, j'ai regardé le radar, j'ai fait rentrer dans ma propre patente. Genre, je viens par ici. Et il va changer de bord, non? Merci. Non! Donc, Stéphane qui demande venger. Oh, je te demande à Google, mais j'ai aucune idée. Je dirais moi. On me semble. Venger. J'étais en train de faire une espèce de gros rond, puis j'étais dans le milieu, fait que j'ai voulu sortir. Je pensais que je crevais pas. J'avais jamais essayé. Moi, j'ai essayé une fois. Ça me fait plaisir, à cause de mon suicide, j'ai pu mettre fin à ce carnage. Ah, mais pas peu, lui. Il reste un autre. Même pas. Guillaume qui a gagné? Ouais, fait qu'on a donc, Dimitricus qui dit, lui aussi. Ouais, là, c'est la ronde finale. Ouais. Ça, il manque de trucs, là. Il manque des genres de loups, il manque un paquet de. Plus petit avec plus de cochonneries qui traînent. Donc Georges qui est en bas. Ouais. Qui s'en va vers la droite. Ah, c'est une chance que Georges a explosé. Il m'a fait voir. Je t'ai fait voir la lumière. Hein? Oh non! Oh non! Non! Voyons donc! Écoutez ce que j'ai dit tantôt. Oui, mais. Ouais, mais je suis rentré dans le lampadaire, là, dans la lumière. Ouais, je pense que c'est juste dans ce mode-là parce que maintenant, la moto pour de vrai à Marie. Oui, oh, Stéphane, qui a un souper de Noël, c'est vrai. Donc, bonne chance pour un souper de Noël. Toujours stressant. Donc, j'espère que tu vas bien digérer ton tartare, Stéphane. Stéphane, qui est un genre de contraire d'un végétarien. En fond, il ne mange que de la viande, mais de la viande crue, donc... Est-ce que, Georges, t'allais dire de quoi? Oui, pas sur le klaxon. Ça fait un drôle de son. Oh, fuck! Bon, ben là, je peux pas, j'ai un boost. On va pas ton boost. Je m'en vais. Ouais. Avait si bien débuté. Non! Oh, là, ça devrait être fini. Hey, 7000 pièces pour avoir perdu. 17000? Donc, bon, tout ça pour 8000$, c'est pas très payant. Ça tombe bien, je l'avais besoin, moi. C'est quand même qu'il mange des battes aussi. Ouais, je l'ai. Ah, c'est de la viande. Ah non, je voulais dire non. Non, ok, j'ai réussi à dire non. Guillaume qui se slide presque tous les jeux. Tous ceux-là que je gagne pas, je vote. Ah, c'est ça. Je veux que Rockstar le sache. Donc, free mode. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de faire des courses des trucs comme ça en. Depuis la nouvelle version de l'éditeur, supposément. Moi, j'en fais les mêmes. Les vieilles de Rockstar.
Ouais, c'est ça, mais parce que j'ai toujours voulu essayer de refaire des courses parce que là, ben, ah, supposément que tu peux replacer les objets pis tout, là, j'ai jamais rentré. Donc. Donc, Stéphane qui dit que c'est son petit cousin qui a pris son téléphone. Oh, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc, Pinponé, je le répète, le boss d'Arcade Québec qui mange des drôles de trucs. Toutes sortes de viande. Donc là, on va vous montrer vraiment les véhicules du dernier DLC. C'est vraiment ça que je veux vous montrer parce que c'est comme... Moi, je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord, les gars, c'est vraiment un gros changement là, au niveau de ce qui est possible de faire avec ces chars-là. C'est la première fois là, vraiment qu'ils nous donnent... C'est ça, là. Alors là, que j'ai un bon drop de FPS. Pas trop sûr pourquoi. Qu'est-ce que tu calles, genre, je vais caler d'autres choses, pis. Ah, ouais, je vais caler le. Moi, je mets c'est le politique, le classique. Ah, je peux pas dessus. Mais non, t'es en. Ah, oui. Ah ben, ah, c'est ton char personnel, ton. Ah, je vais caler mon hydro. Parce que je vais aller au garage directement. Donc, je sais pas trop pour quelle raison, là j'étais à 27 FPS, c'est un peu tannant. Ouais. Donc, laisse-moi le temps de faire un petit contrôle à l'del, checker c'est quoi qui se passe avec ma machine. J'ai 83. Ben oui, anti-malware service exécutable. Ah ben, Belgique. Bon, déjà 40 au lieu de 22, c'est déjà moins épique, mais je comprends pas, là. T'as fait quitter? Ah ouais? Oh, come on! Donc, les problèmes de serveurs de Rockstar qui sont revenus, là. Ils sont jamais partis, en fait. Ils sont juste moins pires, des fois. Hey. C'est un peu fâchant que je perds des frames de même. Là. Normalement, ça le fait pas. Vous le savez, je stream maintenant à deux PC pour justement éviter ça. Là. Donc, pas de problème, Stéphane. Amuse-toi bien. Effectivement, podcast 84 qui est disponible depuis hier. Donc, non, c'est ça, tu sais, même en dedans, là, j'étais à 56 frames, là, 60 là. Ah, mais... c'est bizarre. Ouais. Quelque chose qui cloche. Ouais. Des fois, c'est le mode de capture, là, mais bon, on va laisser ça de moi. Si jamais vraiment c'est épouvantable, je baisserai la qualité des graphiques là, qui sont présentement dans le pré-lore. Donc Stéphane, qui vante les mérites du dernier podcast, dit qu'il est bon. D'ailleurs, podcast enregistré à partir du level up. Et d'ailleurs, peut-être en exclusivité, là, je sais pas si Stéphane, tu me permets de le dire. Non, c'était pris 4 heures, effectivement. On s'est trompé un peu. Vous êtes trompé, les gars. Moi, je me suis jamais trompé. C'est pas quelque mais, chose que je On peut peut-être dire ça en exclusivité parce que Stéphane, tu le sais, le 2, on refait de quoi, là? Donc, je sais pas si tu veux que je le dise parce que je pense pas qu'on l'a dit dans le podcast 84. On refait de quoi au level-up? Ben, ça se pourrait, là, qu'il se passe de quoi. C'est donc Stéphane qui dit, dis-le, donc le 2, c'est lundi prochain, en fait, on refait ça, mais le midi, dans le fond, ce qui, normalement, ce qui devrait se passer, là, c'est pas encore officiel, il faut se faire un horaire, mais c'est qu'à chaque début de mois, le premier dimanche du mois, on enregistrerait le podcast au Level Up. Donc à la même heure le matin, par contre on enregistrait ça live du level up. Je sais pas si on va faire un live dans le sens qu'on va sortir les caisses de son puis on va écœurer tout le monde qui sont présents. Moi qui allais ailleurs encore. Il y avait-tu bien du monde?
Ben quand même, ça m'a surpris pour un 26, là. Je me disais, les gens sont comme lendemain de veille ou peu importe. Puis il y a quand même eu pas mal de monde là, pour sur l'heure du souper. Dans le fond, ben, vers 7h. Ok, c'est bon. Il y avait quand même du bon. Je te dirais que quasiment toute la section d'en bas était remplie. Là. Donc intéressant à savoir, effectivement, Dimitricus, donc le level up bar de gaming, là. On va aller là, on est supposé faire aussi d'autres activités, là. On en a parlé avec avec Mathias. Là. Effectivement, une très, très, très belle place, c'est Mathias, le proprio, il est vraiment super smart, là. Un vrai gamer en plus. Là. Donc, on est supposé se faire un genre de petit tournoi Arcade Québec versus Level Up. Là. Donc ça c'est à suivre, là, on est en train d'en jaser. Là. Mais disons que vous le saurez, là, si vous voulez venir nous jaser, vous pourrez aller au Level Up à Québec. Venez nous serrer la pince et nous jaser pendant qu'on enregistre le podcast, en profiter pour manger un petit peu. Sûrement qu'on va niaiser là après, puis qu'on va jouer aux vieilles consoles et tout et tout. Là. Qu'est-ce que vous mangez là-bas, du Grave d'honneur? Non? non, c'est la bouffe est quand même de luxe, ben de luxe. Dans le sens que tu sais, c'est ça, c'est pas genre des affaires trop de gamers. Il y a ce qu'appelle le hit and run, là, où ce que tu mettons des bâtonnets de fromage, des affaires de même. Sauf que les bâtonnets de fromage, c'est des bâtonnets de fromage faites maison avec genre du fromage cheddar vieilli, des affaires de même. Là. Donc tu sais, c'est comme des twists bon, sur des classiques. Alors que Georges est là, c'est-tu Georges? Ouais, c'est pas ça. Hein? Georges qui a sorti des. Mon beau véhicule. Moi, je suis parti dans l'autre bout avec ma Voltique. Aussi, j'ai des réacteurs. Donc, on va embarquer avec Georges. Donc, ça, c'est une des la deuxième voiture que tu débloques. C'est ça? Donc, ben non, tu peux débloquer dans l'autre que tu veux. OK. Mais la non, Voltique... C'est pour t'avoir volé un certain nombre de chars. Ben, c'est pour ça. Je pense que le premier, c'est le Jumper. Donc la Voltique électrique est déjà une voiture qui est présente dans le jeu, sauf que là Rockstar a décidé ben on va lui mettre un rocket pareil comme mettons les voitures à Rocket League. Puis quand tu pèses sur le klaxon, ben ça on s'en vient. Oui. Ah, c'est beau. Donc c'est quand même assez malade. Ouais. Effectivement, leur menu est disponible sur leur Facebook, probablement sur leur site web aussi, mais allez sur leur Facebook. Non, donc c'est vraiment la première fois qu'on a un véhicule, disons vraiment une voiture ou un camion qui fait ce genre de niaiserie là. Ça passe pas ici. Voyez là. Je vais t'arrêter. Vas-y avec la force. Ouais c'est ça. Donc, Dimitricus qui demande est-ce que c'est un char legit du jeu? Absolument. Donc, tu peux l'acheter pour. Ben, par contre, les véhicules sont un peu chers. Tu peux les avoir à rabais si tu fais l'émission. Là, on va... Ouais, tu as besoin d'un car. Attends une minute, je vais essayer de trouver une moto ou de quoi. Ah ouais. Je vais essayer de trouver un. Ben, genre, je peux peut-être essayer de pousser un débris. Là. Mais toi, t'as-tu des motos dans ton garage de clubhouse, t'en as-tu? J'ai une moto qui traîne à quelque part, là, t'as minute, ça sera pas long, là, le temps que je cale le mécanique. Je peux permettre, rapidement. Je peux. Ben, Betty. Regarde, la poubelle bleue, genre. Ben, la poubelle bleue. Ah, ici. Ouais. Donc, pour Dimitricus, là, c'est vraiment un char legit et il y en a plusieurs. Là. On va tous vous les montrer. On va essayer de faire quelques missions pour vous montrer comment les débarrer comme à rabais. Là. On s'entend que c'est pas un très, très gros rabais. Là. As-tu marché? Ah non. Non, il... avec le réacteur, il a poussé une benne à poubelle. Ça avançait pas, fait que j'ai. C'est mon réacteur. Là, j'ai commandé ma moto et il se passe à rien. Ah, t'as quitté. T'as quitté. Oh, ouais, voyons donc! Ah, je. Ben, je suis le seul qui a quitté dans le fond. Ouais. Moi, tout le monde a quitté, fait que je vais aller vous rejoindre. Là, va rejoindre Mathieu, je suis plus avec lui, là. Donc, on a Cody qui est là, donc salut Cody, salut à toi aussi. Stéphane, merci encore une fois. Donc, les fameux problèmes de serveur de Noël. Donc, je pensais que c'était réglé, ça aussi, du côté de Rockstar.
Non, je sais pas, j'aurais pas allé vous rejoindre aussi. Je reste coincé là. Ah, reste là. Ah, tu restes coincé là. Bon, faites le péter au pire. Puis... tant qu'on arrive. Moi, ça marche pas, là. Au pire, genre, je te retrouve une autre session, puis. Ouais, ben, je rejoins celle de Mathieu, mais au pire, fais le péter, Mathieu, puis retourne dans ton garage, qui est pas loin. Ah, ouais. Faudrait voir tout de suite, t'es pas obligé d'attendre 5 minutes de cool. Ben. Yep. Je sens m'avoir de la misère à revenir, là. Je cherche les détails de la session. C'est juste à revenir. Revenir. Au pire, Georges, tu starteras une mission. Ouais. je vais starter une que t'as pas faite. Ouais, c'est ça. Ok, c'est celle de la rue d'art et je aussi. La base militaire. Ouais, ben on va toutes les faire, dans le fond. Ouais, c'est ça. Oui. Ben, on va toutes les faire. On s'entend qu'on se garde du temps pour tuer des gens. Ça bon 2 heures. Ben... ça nous a pris 2 heures, Georges. Ah. Ouais. Les 6 ou 7, là. Ouais, c'est tout. On verra. On va faire ceux qu'on n'a pas fait à Guillaume, plus, mettons, la plus fun de ceux qu'on a pas fait. Au pire, en attendant... Ouais, mais avec Guillaume, on a fait 3. J'ai fait la ruineur, la politique, okay. Puis la REM. Okay. En attendant, je vais aller moi montrer les garages pis tout, là, comment acheter ça. Une qui est le fun, c'est celle avec le 4 roues, là. Elle était fun, celle-là. Ouais. La rivière, là. Donc, on va retourner à la base. Donc, la base qui est maintenant rendue. En fait, c'est ça pour tout le monde? C'est-tu tout à Maze Bank? Non, il y a d'autres édifices. Ok, ben tout le monde prend celle-là à Maze Bank. C'est juste à côté. Ouais, généralement. Je t'ai acheté, Guillaume? De? Le garage à Maze Bank? Non, pas le garage, mais le bureau du CEO, là. Je me demandais si tout le monde, genre, a pris celle-là à Maze Bank. Si tu veux faire visiter les garages, je peux aller démontrer. Ouais, puis ils vont être pleins ces garages, contrairement au mien. Ouais, l'affaire c'est que je peux pas. Je suis pas capable de me rejoindre vos sessions, c'est ça le problème. Ouais. Vu que j'ai planté. Ça marche pas, c'est quoi ça dit? Ah, ça fait juste comme à chercher les détails de la session, puis ça veut rien savoir. Là. Au pire, on change de session, puis. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais que vous partiez la mission, qu'on se rejoigne ensemble à partir. Ah, ok, bah ouais, ok, on fait ça. Ouais, ça va être plus simple demain. Je vais sortir une mission. C'est celle justement de. Faut que je sois à mon bureau, c'est vrai, pour la starter. Non, effectivement. Donc, le fameux bureau où que vous pouvez starter vos missions CEO et autres. Faut que je fasse ça. Ok. Donc, vous avez les autres DLC d'avant, donc spécial cargo qui est les warehouses où tu peux acheter de la coke et autres et vendre ça. Par contre, on en a parlé tantôt, je trouvais pas que c'était payant parce qu'il faut que tu achètes ta marchandise pour aller après ça la chercher puis te la faire péter par les autres joueurs dans la session. Ce que je me suis amusé à faire longtemps, donc c'est un peu moins le fun. Et véhicule cargo. Donc, ce que vous devez faire, là, je vais vous montrer la carte, c'est que vous devez vous acheter un garage. Donc, un des garages qui est disponible dans la map, moi j'ai acheté celui-là qui est ici, qui est le moins cher. Donc, ça va de genre 2 850 000 et pour un 40 places. Donc, ils ont toutes 40 places, ça sert absolument à rien. Par contre, le moins cher à 1 500 000. Celui-là ici qui est maintenant plein à 23%. Et on peut dire source véhicule. Donc, en faisant confirme, dans le fond, ça part une mission pour voler une voiture. Là, une Massacro standard, c'est un peu mauvais. Donc ça coûte rien. Mathieu, pour que ça marche. Accepte okay. Mon invitation. Oui, ah, fait que je pourrais pas vous rejoindre, c'est ça? Ben oui, mais une fois qu'on... pour la starter, pour qu'on soit deux au moins, mais après ça, je peux inviter qui je veux. Ouais, mais moi, je serais pas dans votre gang. Oh ouais. En tout cas. Je crois. On verra. Je vais essayer. Bon, ben essayez. Sinon, ben je vais aller voler le char. Donc encore une fois, contrairement là, au package, là, voler, ça... donc là, l'assistant me dit...
Ok, c'est bon. Ah, je l'ai. C'est pas très difficile, non? Donc, comme vous pouvez voir, là, dans la map, là, j'ai une voiture qui est apparue. Ouais, donc, techniquement, faudrait que j'aille voler cette voiture-là, la ramener à mon garage qui est ici. Et, dans le fond, je remplis mon garage et après ça, on va des véhicules. Peut-être qu'on va faire quelque chose qu'on va faire tantôt. Là, je vais rejoindre Georges, que lui a starté une mission. Ce qu'on fait, c'est qu'on ira fâcher les autres et on te remplira tes garages, Guillaume. Ouais, on ira voler les voitures. Parce que là, c'est ça. C'est que dans le fond, on peut pas perdre de l'argent, entre guillemets, parce que t'as pas besoin d'acheter la marchandise. Encore une fois, on se répète. Mais ce que tu peux faire, par contre, c'est que pendant que les autres vont voler des voitures, tu peux aller leur voler, donc te sauver, mettons, la moitié du trajet, puis de juste comme le sacrer dans ton garage. Bon, c'est quoi l'avantage? Là, c'est pas. Par contre, j'ai jamais fait le contraire. Je sais pas, tu peux-tu voler une voiture de quelqu'un essaye d'aller vendre? Parce que c'est pas la même affaire, là. Il y a déjà quelqu'un qui essaie de me le faire, ça va pas marcher. Puis tu peux aller le vendre à sa place, ça? Ouais, c'est ça. Ok. Tu voles à son checkpoint à la place. Fait que ça peut être chiant, parce que comme les dernières fois, moi j'ai mis 20 000 piastres d'upgrade là, pour les vendre plus cher. Là. C'est ça. Donc on vous le montrera tantôt, là, ce que ça donne. Mais ça, c'est pas la même chose, ça, c'est des missions qui viennent avec le DLC. Donc quand t'as volé un certain nombre de voitures, t'as fait dans le fond un certain nombre de missions, ça débloque ces genres de trucs-là pour débloquer les véhicules spéciaux. C'est toujours c'est 4, 8... À chaque 4, 16, à chaque 24, 4... 32, ouais, c'est ça. À chaque vente de char, je pense. Ou vol. Chaque 4, non, chaque... non, pas des ventes, des vols. Que... Vraiment que t'en reposes dans ton garage. Ok. Non, ben ouais, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est le véhicule, le 4 roues amphibie. Qui vaut beaucoup trop cher pour rien. Non, mais là, c'est ça, l'économie est un peu fuckée, là. Comment qu'il vaut? Tu vas valoir une couple de millions, un million au moins. Ah ouais. Non, c'est de la merde. Moi, j'en ai acheté 4, là, mais... J'en ai acheté 4. Oh, il est sur le gaz. C'est qui conduit, là? Ouais, il pèse. C'est genre, c'est moi. C'est bien. Qu'est-ce qu'il nous met? C'est soit là, ben soit des... C'est ça que le tout. Sur le fun, il y en a trois en plus. Ah, oh, voyons donc. C'est que j'ai détruit mon hélicoptère. C'est moi. J'ai passé nos traces, hein, Georges. Voyons. Là, je suis ici. Il parce qu'il court. Je courais après Guillaume. L'autre. Où, Guillaume? Bon. Fait que c'est quoi? Faut s'en aller où? Dans le lac! On va aller au jaune. Je pas que tu peux changer tes trucs. Donc, un amphibie. Donc, c'est tout ce qu'il y a de spécial. C'est fun, ben, c'est super le fun. Puis Mathieu qui va beaucoup plus vite que moi. Donc, probablement que j'utilise pas la bonne technique. Ah ouais, je trouve que tu peux faire du wheelie. Ouais, je fais du wheelie, mais je vais vraiment moins vite que vous êtes. Tu peux tirer avec ton bumper gauche. Ah, c'est vrai, il y a une mitraillette, c'est vrai. Il y a ça, le spécial. Oh, là, c'est plus facile de débarquer, tout simplement, que de commencer à situer. Peux-tu juste prendre un. Oh, tu peux. Oh, tu peux gauter. Où je tire les bécosses. Des barils. On est pogné un peu le baril. C'est quoi qu'on fait là? Il faut détruire des trucks de transport. Oh! Hein? Pis c'est qui me tire? Hein? Détruit des points rouges en fait. Comme qu'on fait normalement depuis les trois dernières années. Exactement. J'ai comme oublié comment jouer le jeu. Hein? C'est quoi qui se passe? Hey, ah, pas celle-là? Ah, non.
Hey, là, ça va pas bien, là. Là, faut retourner dans un bateau. On va reprendre le venin. Donc, je fais ça. Non? Je vais manger des snacks que je me suis fait. Ouais, donc le truc du jour, George, qui vous donne le truc. Manger des snacks. En plus, ils sont gratis quand vous avez le genre de bâtisse qu'on a vu tantôt, le bureau. Donc, vous avez juste à parler à la secrétaire, elle vous donne ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter ça au dépanneur comme nous autres dans le temps. Comme dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, qu'on faisait les dépanneurs dans GTA pour faire de l'argent. Là, faut-tu faire un wheelie ou faut par en haut ou par en bas pour aller vite, là, c'est-tu? Par en bas. Ben voyons donc, on va pas vite pendant tout. Comme sur une moto. Ben, t'as-tu rentré tes roues? Ben oui. Il roule dans le fond. C'est normal que je suis dans le fond du lac. Alors là, qu'on voit quand même les graphiques là, qui sont quand même hot, là, les FPS qui ont grimpé dans le fond. Là. Ouais, on peut aller dans le lac. Hein? C'est... Pourquoi s'il met pas le GPS dans la rivière? Ouais. Alors que c'est Matthew, c'est probablement qui fait son rebelle à côté. Ils ont dit dans la rivière. Je vais aller sur la terre d'abord. Oh boy, ça va jouer du coup de site. Hey! Ah! Oups! Elle est du coup. Ce qui est plate par contre, c'est qu'il n'y a pas deux places. Là, on l'a essayé l'autre jour. Puis il n'y a pas deux places. Il y a moins tiré de la mitraillette. Je me tire dans le dos. Je me sens comme Legolas. C'est des berries. Ouais, c'est Barry. Hein. Ah, mais tu veux tout l'hélicoptère? Donc, une mission quand même assez longue. Il semble que les autres sont moins pires. Faudrait montrer le Ram Car là, après ça, il flash en maudit. Ouais. C'est pas pire ça. L'émission est facile en crise, ça, de la rente. Là, mais juste le char. Là. C'est la première, je pense. Hein? Ouais. Comment que tu peux débloquer? Ça prend juste 4 chars. Oh, voyons donc, il y a une roche cachée. Une chance, c'est pas un vice. Eh, hey, c'est bon. Moi, je vais finir celle-là, puis je vais y aller après. Ok. La mer est à temps. Ouais. Oh, il y a des. Ok. Donc, je m'en vais à gauche. Ah, ouais. Bon. On va détruire chacun un point. Guillaume pogne le premier, moi, je pogne le deuxième à gauche. Il y en a 4, c'est chiant. Il roule bien par exemple, hein? Ouais, il va bien. Puis là, il est même pas monté en plus. Effectivement, parce que vous pouvez les modifier. Pas toutes, là, mais pas les crocs, là, mais ceux-là, les chars. Je peux-tu, genre. Pourquoi machine gun? Mettons que je veux. Ouais, parce que juste que je débarque. Ouais, mais là, c'est parce que je voulais tirer une sticky bomb. Mais ça a l'air, c'est pas de même. Non, mais tu tires avec le gun du 4 roues. Ouais, mais c'est bon, faut-tu tirer un méchant en temps? Ben non. Ça tire, tu croches, tu sais. T'es en train de tuer tout le monde, là. Pensez-vous! Saint Simonek. Ouais, c'est pas Rocket League, hein, Guillaume? Ouais, je t'avais de prendre ma retraite à Rocket League. Là. Si vous voulez savoir pourquoi, allez écouter le podcast 84. Bon, y a pas des hackers là-dessus.
La toxicité des joueurs. C'est, ouais, disons que c'est soit que je, ouais, j'ai plus la patience comme dans le temps, je suis vraiment rendu. Je sais pas. Il est rendu sensible aux insultes. Disons que je comprends pas. Ben, je comprends pas. Je comprends très bien parce que j'étais de même avant. Avec, disons que c'est fâchant. C'est fâchant quand t'as pas. Tu sais, pis c'est toi qui disais que c'était moi pas aussi pire que ça à Overwatch, mais je me souviens d'un gars avec qui je travaillais. Pis qu'il prenait un sniper, pis. Première chose, bon, première game, le monde commence à l'insulter. Il dit, ah, c'est ça, genre telle affaire. Oui. Pareil comme quand on joue à Heroes, pis l'autre affaire, ah, oh, telle personne, pas bon, si, fille mais gna gna gna. C'est comme. On a joué une quick game, là. Ils vont suggérer, tu sais. Mais moi, je joue juste en compétitif, c'est peut-être pour ça que le monde est moins. Moins baveux, là. En compétitif, oui, ils vont suggérer, mettons, ah, tu devrais prendre tel bonhomme dans cette map-là. Mettons, ça tente pas, tu sais, c'est pas où je dis réponds. Ils vont pas te. En tout cas, moi, c'est rare que je me serais bien tout plus. Overwatch. Non, c'est pas... friendly beaucoup, ça. Ouais. Ben là, disons ben que. C'était le 24 matin, au matin, là. Puis là, c'était comme des insultes par-dessus les insultes. Puis on s'entend que je suis pas mauvais, là, Rocket League. Puis le trois quarts du temps, je suis dans le but parce que les autres gars sont pas capables de jouer en défense. Genre, mettons, tu scores deux buts. Là, tu t'en fais scorer un parce que le gars, il a fait une passe en avant. Genre, puis là, what a save! C'est comme. Man, le tabarnak, le calice, c'est le 24. Là, il t'envoie chier. Genre. En plus, c'est écrit dans le chat, là, pour t'envoyer chier. Il se force à écrire au lieu de juste. Ben oui, c'est ça. Quick chat. C'est un peu comme faire une passe en avant de ton propre filet, genre au hockey, puis ça tu dis au goaler pour défenseur, si vous avez pas fait votre job, ça fait comme ouais. Ah, c'est ça. Fait que disons que ça c'est arrivé comme le 24 au matin, ça m'a déjà que je suis rendu impatient à Rocket League, que là ça a vraiment scrappé, mais. Fait que je suis allé jouer à Heroes. C'est bien insulté. Oh. Ouais, mais à Heroes, quand je joue souvent juste contre le. Les trois la même affaire. Ah, mais il y a ouais. Un quoi, ça. Ouais, là, ok, non, c'est beau. Je vais dire, il va peut-être falloir que tu pètes ma clôture, mais. Non, c'est ça, je suis allé jouer à Heroes, mais Heroes, c'est souvent juste contre l'ordinateur. Puis, pour faire mes quests. Sinon, quand je joue un bonhomme que je suis pas. Full habitué, je le dis dans le chat, là, si je suis un noob avec tel personnage, je veux le monter level 5, puis tout le monde fait comme ah, pas de trouble. Si tu le dis, ça fait comme c'est pas grave, surtout contre l'ordinateur, le monde est vraiment pas bon. Hey Rose, donc il y a pas grand monde de toxique là-bas. Non, c'est ça. À moins que j'imagine que tu te mettes à jouer un héros libre, des affaires de même. Ouais. C'est, dans le fond, c'est aussi ça que le jeu devient compétitif. Là. Non, on prend ça trop au sérieux, justement, quand c'est compétitif, là, ils attendent que tout le monde soit bon. Ben écoute, ça fait la même affaire des fois quand on joue au deck hockey le jeudi. Tu sais, quelqu'un qui manque un shot ici, puis l'autre, là, hey, tabarnak, qu'est-ce que t'as fait? Là, c'est parce. C'est avec d'un, tu joues avec du monde de la job, là. Fait que. tu te fâches après eux autres, là, et tu t'en vas travailler qu'eux autres après, là. Puis on joue pour le fun, pour se mettre en forme. Donc, c'est les gens en général qui ont une mauvaise attitude. On gagnera pas de trophée. Ouais. Fait que bref, à ça, je joue à des jeux que je peux jouer tout seul. D'ailleurs, The Division, George. Ouais, ben GTA, c'est ça, l'affaire. Ben, c'est ce que. C'est exactement ce que j'ai fait, que je suis allé. Tout de suite après ma pause de Rocket League, le 24, j'ai fait comme un tabarnak, c'est le Noël, je me fais chier à ça. Ben, on va jouer à GTA, mais on va gâcher le Noël des autres. Je me suis mis à gonner tout le monde pis à le scraper là. Pis là ce qu'ils ont fait ben, c'est qu'ils m'ont transformé en sapin pis tout et tout, pis là ça m'a mis en tabarnak. Fait que disons que. Oh non! D'un, je traînais de la patte parce que je suis pas concentré, pis là j'ai comme perdu le trois roues en bas d'une montagne. Faut que j'en remonte pis je sais pas par où. Je traîne de la patte en tabarnak. Faut que vas-y parce qu'il faut que je remonte. Non, mais. Il aurait fallu que t'embarques Mathieu pour qu'il le ramasse. Ok, il y a des escaliers ici. Ah, je suis comme tombé à pire place où je pouvais tomber. Je connais ce secteur-là, je fais souvent des jumps et j'atterris ici.
toujours pas rien pour ça d'autre. Ouais, sauf que là, le 4 roues, il reste en haut. Moi, je t'atterris en bas. Ouais, t'avances plus. Oh là là. J'ai plus aucune idée de ce que je disais. C'est pas grave. Fait que tu viendras jeter au plus souvent. Ouais, ben là, le temps, je veux dire non, parce que tu tues du monde, puis plutôt que de se servir de leur pas de talent, ben, ils modent. Ils utilisent les menus. Ouais, c'est fait qu'ils utilisent les menus pour te faire chier. Fait que, ouais, mais c'est ça, mais je vais revenir quand que ça va être réglé. Mais disons que ça m'a vraiment fait chier de. Parce qu'on s'entend que. Mettons que j'ai un jeu à choisir, puis de le dire, c'est vraiment ce jeu-là auquel je suis le meilleur au monde. Là. Ben, pas. Je veux dire que moi, je suis le meilleur, pas le meilleur au monde, mais. Le jeu au monde où, à lequel je suis le meilleur, c'est GTA Online. On se comprend, là. C'est ça. Dans le fond, c'est le jeu auquel je me sens le meilleur. Puis, ça me fait chier que, à cause de ça, ben, les gens, genre, ils trichent, là. Ouais, c'est ça. Vu que t'es bon, les gens trichent. C'est ça. Je suis pas capable de le tuer. C'est marqué Guillaume 999 Sox WeMod. Ouais, c'est ça. Le menu anti-Guillaume. Donc, ah, c'est tout le temps le même. Skype, puis on vient hein? Dessus. Parce que c'est tout le temps ça qui est arrivé. Je me suis mis à sniper du monde, d'aller gunner, puis il était pas capable de le tuer, puis là, oh, bon, il m'envoie des grenades à distance, ils me font tomber de la police, fait que etc. Ah. Oh, ouais. C'est ça que ça a fait avant hier aussi. Puis là, c'est pas juste ça. Ils font chier ta caméra. Pis, t'es même comme plus capable de jouer. Il y a pas de shaker. Oh, Jason qui est là. Ben, c'est ça, là, ouais, ça fait comme shaker. Jason 9 qui est là. Salut à toi, mon Jay. Donc, Jason, avec qui on joue justement? Jay, George, Eric, Soubigeek, dans le fond, et Mathieu. Mathieu qui, lui, n'a pas de Twitch, je pense. Mais dans le fond, la gang qui joue à Heroes of the Storm. C'est sur Twitch. C'est celui qui m'a fait découvrir ça. Ah ouais? Mais bref, probablement qu'on va twitcher un jour Heroes of the Storm. Dans le fond, je ne l'ai jamais montré. Alors, je suis en bac avec George. Ah! D'ailleurs, je suis content, la neige est partie. Ouais. Elle va revenir sûrement, par contre. Ouais, pour le premier. En temps du jour de l'an. Hein, toi. Donc, on fait-tu une autre mission? Hey, ça a quand même été payant, celle-là. Oh, donc. Ouais. En attendant, les gars, je vais aller me chercher un petit café, question de pas être capable de dormir ce soir, parce que... Faut que j'aille au bureau. Ouais, faut que j'aille au bureau demain, j'ai travaillé aujourd'hui, moi. En moto. Ah ouais? Je pensais que j'étais le seul cave. En plus, j'étais comme tout seul ou presque dans le gym après ça. J'étais comme asti que l'année prochaine, je pogne des vacances. Ouais, c'est ça que je me suis dit, moi, tout. T'as l'air. C'est juste parce qu'il m'en restait plus, là. Mais... J'avais pris une semaine par rapport en octobre. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, moi je. Donc Jason, nous aussi qui travaille. j'ai quitté. Ah, oh, ok, t'es, oh. Tu t'en vas. Ouais. Bon. Ouais. Ben merci d'avoir joué avec nous autres. Yes. C'est bon. Genre, j'ai toutes les choix, là. On leur streamera. On streamera ça genre un vendredi boisson, là. Puis on va faire chier tout le monde. Je suis bien d'accord. vendredi le 6. 4, 5, 6. Ouais, ça serait une bonne idée, ça. Ouais. C'est bon. C'est mon dernier vendredi de vacances. On faudrait qu'on se rende compte à quelque part puis qu'on stream tout le monde sur place à une place. Là. On s'organisera ainsi quelque chose. Ramener tous nos PC. Bah, c'est ramener tous nos PC. Y'a rien là. Ok. Oh, mais on s'en prend une autre. Yes, okay. Salut là. Ciao. Salut. Bon, ben pendant que Georges nous start ça. Ouh, ok, nous a invités. Georges, je m'en vais me prendre un petit réchaud de café s'il m'en reste et je reviens. Je te laisse le chat, Georges, si tu veux dire des niaiseries, c'est le temps. Bonjour le chat. Vu que Jason est là, je vais dire. Gueule! Et c'est tout ce que je vais dire. C'est pas vrai. Moi et tout, je work. Ça va être-tu vendredi aussi?
chanceux. Au moins, j'ai congé vendredi. Puis lundi, puis mardi. Dans le fond, ça fait une semaine de 5 jours. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment c'est là? Ça commence du lundi au samedi, 6 jours en ligne, tabarnak. Commencerait? Tu vas toujours faire des 6 jours en ligne ou c'est juste exceptionnel la semaine prochaine? Los putos, mon organisation. Donc, on est de retour. Merci d'être resté là. Jason qui dit « Je travaille vendredi aussi. » La semaine prochaine, je recommence lundi ou samedi, 6 jours en ligne. Ouh. Ouh. Donc, t'es-tu prêt, Guillaume? Ouais, non, je suis... Non. Ouais, petit café aromatisé, donc j'ai plus de sucre. Ce que je fais, c'est que je mets du Baileys dedans. Donc, donc, Jay, je ferai pas toujours ça, c'est exceptionnel là-haut, je vais dire que la madame en surpoids la madame. Manque de personnel, puis j'écope. La gentille dame manque. Cette gentille dame. Donc, un café de course. Disons que c'est comme la boisson va m'endormir, puis le café va me réveiller. C'est... Ah non, c'est un café de mission, c'est pas si possible. D'ailleurs, Jason, si jamais tu veux jouer à Heroes après ça, moi je vais être partant. Ça fait, je pense, que je suis dû faire mes quests pour les trois dernières journées. Là. Donc, un café Baileys ou un Baileys au café. Non, c'est un. Ben, ouais, c'est ça, la tasse est grosse. Là. Donc, je l'ai mis assez pour que ça goûte le sucre puis la crème. Mais c'est pas du Baileys, c'est du OKC's. Donc, je le recommande fortement à ceux-là qui sont cheap comme nous autres. Du OKC's. C'est comme du Baileys, mais à moitié prix. Je sais pas si t'as déjà essayé, Georges. Là, mais... Non. Ça, disons que pour mettre dans du café, là, ça a la même crise d'affaires. Puis on s'entend que du Baileys, tu mets tout le temps ça dans quelque chose. Ouais, non, tu vois pas ça demain. On va te laisser conduire le. Tu conduis le gros camion? Ouais, je peux bien conduire. Bon, m'amuser un petit peu. Donc, je sais pas s'il y en a parmi vous autres qui sont des fans de Mythbusters. Je te l'avais fait remarquer d'ailleurs, Georges. Wow, vous irez voir ça, Mythbusters Train Truck. Là. Un camion. Camion qui ramasse les affaires sur. Donc, Jason qui dit du Caroline. Je sais pas trop s'il parle de drink ou bien de filles ou de porno. The best dream pie ever. Peut-être que le nom de la madame. Ouais, peut-être. Donc, best cream pie ever, c'est le Sheridan. Ouais, le Sheridan, ça c'est malade mental. Par contre, c'est dispendieux, ça aussi. Sheridan, cette fameuse. D'ailleurs, c'est pas avec toi, Jason, qu'on prenait de ça, du Sheridan. Une genre de boisson et double crème là. Double bulle. Donc Jason et George qui sont deux amis d'enfance. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que bah faut tuer la police le plus possible. Il faut ramasser des sacs de cocaïne. Oh. Faut mettre dans notre sac à nous. Dans le fond, il y en a un qui ramasse et un autre qui tue des policiers. Ah, ok, fait que moi je rentre dans les jeunes, ça. Ouais, oui, il y a un peu de la police, puis moi je vais ramasser des sacs. Faudrait-tu que je débarque, tu penses? Ah, ouais, ça serait mieux. Ça va pas très bien. On fait un peu partout. Je pense qu'ils respawnent à l'infini. Ah, ouais, ouh. Hein? Ok, là. Ah, oh, fuck. Oh non! Oh non! Je vais spawner dans la face. Donc Jason, ça doit bien être avec moi. Je suis la seule fille du lot avec mes boissons sucrées.
Mais il me semble la dernière fois, Jason, tu buvais de la bière avec nous autres. Bon, je veux dire, je peux-tu voter chou, ça? Non, faut restart. Donc, je m'excuse, George. Je m'excuse, c'est de ma faute, j'ai pas débarqué du camion pour t'aider. Eh ben voyons, tu sais qu'on commence. Bon, au moins, c'est pas loin. Oh non! Donc, j'espère que tout le monde va toujours bien. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous montre des trucs en général, ça va nous faire plaisir. Peut-être qu'après ça, Georges, on serait juste capable de sortir le Ramcar, puis la code 8000 dans le fond, puis on ira après ça niaiser du monde. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi, Georges et Mathieu qui jouait avec nous autres tantôt, là, ça fait depuis 2013, c'est sorti le jeu? Ouais, 2013. Donc, ça fait depuis 2013 qu'on joue ensemble non-stop, ben non-stop un peu moins dernièrement, mais depuis la PS3. Puis normalement, dans le temps de Noël, c'était là qu'on faisait du gros fun. Vraiment à gâcher le Noël des gens. Donc ça fait 3 ans qu'on joue, ça fait 3 ans que le jeu roule. Ça fait 3 ans qu'ils ont des problèmes de serveurs. De serveurs pis de tricheurs. Pis de hackers, de modeurs. Ouais. Ah, je m'en vais pas à bonne place. Mais ils s'en calissent parce qu'ils se sont fait 500 millions juste en vente de short cards. Fait qu'ils disent, ça marche. C'est ça. Ben, le je l'ai dit tantôt, le gros défaut, là, c'est que le jeu est mal programmé. Puis là, je parle. Je suis pas un programmeur de jeu pis je suis pas un programmeur de réseau. Sauf que. Ben c'est ça, c'est qu'ils l'ont mis en peer-to-peer, puis dans le fond, tout ce que ça fait le jeu, c'est qu'à un moment donné, il finit par sauvegarder tes informations sur leur cloud. Tout le reste est géré au niveau du client, ce qui est à ne pas faire pour un jeu en ligne. On s'entend un jeu en ligne avec des l'argent inclus. Tu peux pas dépenser, parce que quelqu'un qui veut vraiment bien faire ça, que ça roule bien, qu'il n'y ait pas de cheat, il va investir dans des serveurs. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'ils partent, ils fassent un nouveau GTA à un moment donné, sauf que qu'ils refassent un Grand Theft Auto Online 2, mais fait comme fou. Ouais, bien fait, c'est pas chiant. Moi, j'ai oublié de me prendre une armure, comme un con. Plein de bombes! Je suis dégueulasse pendant que je remplis mon sac de drogue. Ouais, là, je te dirais qu'il faudrait quasiment que. Oh non, je vais te mourir, je vais mourir! Non! Non! Je t'ai vu mourir! j'ai pas pensé de me prendre un. Hostie, ça me prendrait une armure. Tu sais, j'ai. Ça mettra là. Quand tu seras dans l'hélico, tu peux l'équiper. Ouais, j'y pense pas, genre. Au pire, on laisse faire, là, c'est-tu. Bon, une dernière fois, puis après ça. On... dans la vie, quand ça marche pas, t'abandonnes. Et d'ailleurs, c'est la première étape vers l'échec. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans mon profil. J'ai mis la quote du film Dodgeball. Qui est pas exact, là, je vais vous la dire de mémoire, mais ce que ça dit, c'est que dans la vie, j'ai trouvé que l'important, c'était de pas se fixer de but. Parce que si tu le faisais, tu pouvais juste être déçu. C'est pas faux. C'est un peu pessimiste. Donc, Jason qui dit que tout bon shooter multiplayer ont des hacks genre aimbot et tout et tout. Oui, sauf que si tu fais ça, tu sais, si tu fais... Tu fais juste perdre ta game ou peu importe. Tandis que là, c'est vraiment, tu sais, il y a une économie un peu. Tu sais, c'est un genre de pseudo-RPG à la. Tu sais, c'est. Pseudo-MMO, mais c'est pas vraiment. Non, mais tu t'entends qu'ils vendent de l'argent dans le jeu. Non, l'économie est toute scrap à cause de ces modeurs-là. Puis tu peux vraiment t'en prendre aux autres. Là. Ça sera leur avantage de régler ces problèmes-là. Ben, c'est ça, non? Oh, on a Mirisha qui est là.
T'as pas le choix d'acheter des shockers pour avoir l'argent ou faire des missions. C'est ça. Et puis il en vendrait plus. Tandis que là, t'as un paquet de jeunes flots là, qui te font chier avec des affaires qui sont pas supposées d'avoir là, parce qu'ils ont pas joué comme on a joué nous autres, parce que justement Jason dit level 312, damn. Le pire c'est que on a arrêté de jouer là. Parce que moi, Georges, t'as pris une bonne avance là, à 340. On s'entend que ça fait un bout de temps qu'on a arrêté de leveler parce qu'on a arrêté justement de faire des missions parce que ça fait trop longtemps qu'on joue. Faut que je fais des courses en compte de temps en temps. Mais on fait pas de. Même le 2 ans, on jouait avec du monde qui était level 5-600. Ben, c'est ça. Parce qu'eux, ils faisaient juste des courses. Donc on fait pas des XP comme on en faisait avant. Là, là ce que je vais faire, là, gars, je vais aller me cacher en arrière, man. Ah, bon. Là, on y va tranquillement, pas vite. Voilà. En décrasant, genre, je pouvais y aller au sniper, là. Ouais, c'est ça, je vais y aller plus intelligent. Ah. Là, on va y aller dans l'intelligence à attention. D'ailleurs, parlant d'intelligence, je sais pas si t'as écouté la superbe émission Coup de foudre avec Mathieu Baron. Non. C'est de toute beauté. Ah, man, c'est. J'écoutais ça avec Stéphane l'autre jour, il est venu chez nous prendre un spa, puis on hallucinait. Qu'est-ce que c'est ça, cette merde-là? Le Mathieu Baron, il a comme maigri de moitié, là. Il a de l'air d'un. Oh, ouais, d'un demi-douchebag plutôt qu'un full douchebag, là. Il est passé de genre Vin Diesel à Vin de Chamois. Vince de Chamois. Vince de Chamois. Je cherchais un Vince bien rapide, là. Mais il a vraiment perdu beaucoup de poids, sauf qu'il reste autant. Là, c'est comme. Plutôt que de parler de même puis de faire un pas avec mes gros bras, ben là, je fais une émission coup de foudre. T'es un peu space. Genre, moi, je veux passer à TV. Mais c'est pas chic, là. Disons, faut vraiment que tu veuilles passer à TV pour aller là. Qui est plus dans ce coin ici? À gauche, hein? Ah, ok, ah, ici, bas, ouais, je les ai pas vus, ce que moi, je pense. J'essaie de me servir du radar, mais il y a du monde partout, hein. T'as des testicules, toi? Ah, voyons donc, je sais, c'est épine de métal, putain, toi. Putain, toi. Mange des pogo. Je vais me healer. Recharge! Voyons donc que je manque ça dans l'épaule. Mais le best c'est vraiment avec la cracheuse. Ouais, mais là je l'avais tantôt, ça a pas marché. C'est le stage où est-ce que je suis là, puis tu sais ce que. Vraiment, non, mais viens plus ici. Parce que là, tu vas manquer. Là. Je suis vraiment proche du truc. C'est donc bien long ton affaire, toi. Tu ramasses-tu la Colombie au complet? Vu que je faisais pas ma job. C'est ça. Hey man, j'ai plus de vie. Ah ben cache-toi. Ah non, je vais mourir. Mais là, c'est parce que j'ai la cracheuse dessus, je peux pas me sauver. Non, mais là, tu peux, lâche-la pis il court. Ah, on arrête ça! Ça marche aussi. La crise, non? Donc, Mirisha qui demande, excuse-moi, j'étais concentré à manquer mon coup. Donc, c'est quoi le nouveau DLC? C'est, ben, en fait, ça, c'était une des missions. Dans le fond, c'est tout ce qui s'appelle import-export, donc vol de véhicules. Je sais pas si t'as vu les autres DLC avant. Ouais, les autres DLC d'avant. Dans le fond, c'est comme une façon de pouvoir faire des missions, faire de l'argent. Et là, c'est le import-export qui est, dans le fond, le vol de véhicules. Donc, tu peux voler des véhicules et les placer dans ton garage et les relancer. Le but de ces missions-là, c'est faire de l'argent, mais c'est aussi de débloquer des prix plus avantageux pour débloquer ces véhicules-là. C'est ça. Puis là, ce qu'on faisait, c'était des missions qui débloquaient les véhicules spéciaux que tu peux avoir, que je vous voulais montrer, qu'on va vous montrer là. Dans le fond, la gamme des véhicules spéciaux qu'on peut maintenant débloquer à GTA Online. C'est vraiment des véhicules un petit peu différents de ce qu'on a vu à date. C'est pour ça que j'y tenais beaucoup. Là. On l'a vu, ça, c'est un genre de camion
un camion destructeur, ben c'est vraiment pas les plus fun. D'ailleurs, Georges, je pourrais juste peut-être embarquer avec toi, puis on irait dans ton garage, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Je suis comme spawné à la place où ce que faut que je fasse un astide de tour. Le jeu, c'est comme dit, c'est où qu'on pourrait le mettre le plus loin d'une route? Bon. C'est le moins pratique, hein, ça va être là. Donc, comme tu vois, là, Georges a mis un point sur son garage. Là, tu peux peut-être le voir là, sur le radar. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu startes une mission de cambriolage. Dans le fond, tu fais juste aller dans ton bureau sur l'ordinateur. Tu t'es dit, je veux aller voler une voiture. Il y a un point qui apparaît dans la map à quelque part. On pourrait peut-être en faire une tantôt avant juste de quitter. Oh oui. Puis, tu voles le véhicule, puis tu le ramènes dans ton garage. Puis, tu remplis ton garage jusqu'à 40 véhicules comme ça. Puis, une fois de temps en temps, ben, tu peux prendre un de ces véhicules-là, puis aller le vendre pour de l'argent. C'est d'ailleurs une bonne façon, je trouve, présentement, de faire du cash, là, pour l'avoir testé un peu. Ouais, puis c'est le fun aussi. Là. C'est juste qu'on joue dans ce jeu-là, c'est le fun. Mm-hmm. C'est le meilleur moyen pour l'instant. Donc, c'est une excellente façon de faire du cash pour ceux-là qui commenceraient à jouer. Par contre, pour pouvoir commencer à faire ça, ça te prend du cash. Pour t'acheter, ça coûte 1,5 million. Ah, dans le crew. Ouais, dans le CEO. Donc, ça te prend probablement de l'argent pour débloquer les trucs de CEO. Donc, t'acheter un genre de bureau. Puis après ça, tu payes 1,5 million minimum pour t'acheter un garage. Le garage étant ce que Georges est en train de rentrer dedans. T'as-tu rentré dedans aussi? Ouais, j'ai d'arriver. Donc, Misha, Jason et toutes les autres, et Dimitricus qu'on a vu, Red Air Guy, Andrew de Puissance Maximale qui est là aussi, donc salut à toi Andrew. Donc, j'espère que vous avez tous passé un très joyeux Noël, que vous avez pas fait comme moi, puis que vous avez sacré à Rocket League toute la journée du 24, parce que vous faites plus rien le 24. Donc, moi, je trouve ça un peu plate, là. Mon frère qui a eu des enfants là, qui ont décidé à un moment donné que ça se passait le 25 qui faisait plus rien le 24 puis moi ben le, ça, Noël ça a tout le temps été le réveillonné le 24 ça me semble ça fait partie ouais, c'est ça. Donc ça, ce véhicule là que vous avez là donc oui. Très important de pointer ouais celle-là là. Donc oui. Là où les fesses à Georges là ouais. Ce véhicule-là, c'est celui-là qu'on a essayé tantôt donc un 4 roues amphibie, une place malheureusement mais avec des petites mitraillettes en avant. Mon véhicule préféré. Vous l'avez reconnu, j'espère. C'est Kit. C'est Kit K2000. Dans le fond, véhicule complètement exceptionnel. Pour ma part, là, je sais que les gens n'ont pas l'air de lui donner tant d'amour que ça. Là. Je lisais sur les forums et disais oh, là, ça tire juste des missiles. Ben oui, un char qui tire des missiles, c'est donc bien plate. Le char jump, le char un parachute, il y a des missiles, des mitraillettes, c'est complètement malade. Vous avez... bon, ça, ça existe déjà, ça. Ah non, OK, c'est parce que lui, il y a des drums, c'est... parce qu'il est amphibie. Il flotte dans l'eau. C'est... Ah. Lui, ici, bon, il y a un genre de rame en avant. C'est on s'en est jamais vraiment servi. Plus petit. Ah, il y a une mitraillette aussi en haut. Ah, c'est ça. Donc, plus genre Mad Max. Ouais, plus Mad Max. Lui, il est malade. Donc, un ramp car qui est dans le film Fast and Furious. Hein, ouais, des Fast and Furious, ouais, il me semble que oui. Fast and Furious. Donc, celui-là, il est complètement malade aussi. Mon autre, dans le fond, j'ai trois préférés. La K2000, celle-là. Pas K2000 Kit. Et la Voltic qu'on a vu tantôt, qu'on pourrait peut-être vous remontrer. Donc ça, c'est le genre de char des Mythbusters, si vous êtes un fan. Vous l'avez reconnu comme moi. Vous avez des générateurs, des génératrices ici. C'est important. C'est très important. Et vous avez la Voltic avec des roquettes, comme ça. Donc la Voltic, dans le fond, qui est une voiture qui existe déjà. Qui est un véhicule électrique qui accélère très très vite, mais qui va pas super vite ultimement. Sauf que là, il y a un genre de petit boost de quelques secondes que vous pouvez prendre et qui vous fait voler de façon assez exceptionnelle. Il y a lui qui sert pas à grand chose, mais que. Ouais. Je sais pas. Lui, il sert à rien. Il est cool. Ouais, c'est absolument... Il est gros. Tu peux embarquer en arrière. Moi, je vais essayer ça. Puis, il est quand même assez gros. Quand même assez haut. Tu veux l'essayer? Non, je veux. Ouais. Okay. Je veux s'embarquer dedans? Je pense que oui. Alors, une fois que t'es embarqué dedans. Ouais, c'est ça. Faut t'aimer permission. Donc, on rit de ton taunt, Georges, qui était de tirer, de faire un Spider-Man.
Ben, je repensais à ce que Louis disait. Comme George dans GTA. Comme George dans GTA, moi, je le dis tout le temps. Donc, vous savez ce que c'est, un Spider-Man, dans le fond. On va le dire, c'est un peu comme George faisait. Là. Dans le fond, c'est que vous venez dans la main, puis que là, vous arrivez, puis vous faites dans la... vous tirez dans la face de la fille, comme ça. Tu dis Spider-Man. En disant Spider-Man. Spider-Man! Donc, le c'est fameux... Hein? Okay, non, vas-y. Ouais, les filles trouvent c'est ça super drôle. Et c'est pour ça qu'on est célibataire. Alors, c'est vous de mon chemin. Je suis automobiliste. Je suis automobiliste. Donc, on va essayer de trouver quelqu'un à juste ramasser de même pour le plaisir de le ramasser. Ah oh, oui. Attends, un point sans map. Ah, là, il y en a un ici qui a de l'air d'être de... perdu. Ah oui. De toute façon, tout le monde est dans leur garage. J'ai dit, ok, tu dis des obscénités comme ça, mais tu voulais pas annoncer. Pas prononcer grosse torche tantôt. Ouais, mais c'était pour toi ça, Jason. On a essayé de te. Oh. Ah, il nous suit, il nous court après. Il court ça avant, ah oui, yes. Il veut qu'on le ramasse. Elle a jumpé. Oh! Ah non, il y a un. Ah non! Il faut qu'on le fasse jumper. On s'en va d'ici. Oh non, ça explose pas! Ah, il nous suit vraiment! Il fonce droit sur nous! Il y en a un autre site, un peu loin. À 2 km. Je suis vraiment, je pense que je vais sortir mon C4 moto. Attention, t'as droit à environ une trentaine de véhicules avant que ça commence à boucaner. Effectivement, donc c'est pas infini. Là. Il y a, la voiture a une armure, puis de m'emmener. Ça finit par scraper. Ce qui est un peu décevant. Ouais. Ah, il est parti. You. Il est plus là. No! Ah, il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde dans cette session. Non? 13. Ils ont tous l'air d'être en haut. Il y en a un là-bas. J'ai de l'argent, je vais déposer mon argent. Ouais, moi aussi. Ah non, que ça l'a déposé tantôt. Je l'ai déposé tantôt, en fait. Oh, il y a aussi son insurgent. Oh. Qui nous suit, là. Il est c'est le gars de tantôt? C'est le même gars que tantôt, je sais pas. J'ai pas retenu son nom. Essaie donc de faire jumper. Puis que de toute façon, le char est sur bord de scraper. Oh non. Ouais, c'est le même tantôt. Oh, il est bien plat. Il est devenu tout. Je vais faire un. On va y mettre des choses de parcours. Là. Pour la cracheuse. Ah. Il va nous tirer des C4 à partir d'en bas. Oh, la police encore! Hein? Il fait son fin finaux, il a changé d'idée, il change de place. Ah, il change de... Il change de. Il repasse par l'autre chemin.
Ah, mais lui, il est en dessous, il est pas monté par là, je pense. Ah ouais? Je sais pas. Attends, là, en haut du parking. L'affaire, c'est que on a tellement joué, moi, Georges et Mathieu, qu'on connaît les maps par cœur. Je sais pas trop quoi faire. Hein. Bon, je monte dessus, je monte dessus pas. Il m'a mis un bounty. Ah oui. Viens, tu es là, lui, les gars. Il essaie de. Il monte là. Il va y essayer. Qu'est-ce que tu fais? Il est dehors. Il m'a fait une baggy cat. C'est un insurgent, ça, ça fait pas grand chose. Ah ouais, mais c'est rien que pour le ralentir, le temps, avoir le temps de le péter. Quoi qu'il va arriver par là-bas. Ben, faudrait. Je vais appeler le star. J'ai plus à voir ici. Non, je pense qu'il arrive par ici, par où est-ce qu'on est arrivé. Ah, je peux pas appeler le. Non, mais moi j'ai pas police, je suis pas sûr d'en compter. Ben oui. Ah non, je suis sûr, je l'ai plus. Il est trop tôt, mais il est plus détruit. Ouais, le minigun ça marche hein, pour l'insurgé. Oui, 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 c'est ce qui marche le mieux. Ben, c'est pour le tuer lui, là, pas pour le faire péter l'insurgent, c'est comme ça. Quasiment, man! T'as quasiment passé proche! Presque! Presque! T'as presque réussi! Je vais aller. Ah non, on peut pas. Oh, je vais le péter pareil. C'est parce que je l'aime. Le guerrier qui n'abandonne pas! Donc, Andrew qui dit que lui. Oh non, oh non, 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 non! La police. Ah, oh non, c'est parce que la police elle est là, elle va me gonner! Crise de police de merde! Elle est aussi tannante que dans le temps. Donc, Andrew, je m'excuse, ça se passe, il est à tête forte depuis le 24 qui descend à Lévis pour le 3 et qui retourne à Longueuil le 4. Donc, Andrew qui se promène. Tour du Québec. Ah! Police. C'est encore là, le gars? Ah ouais. Denture dynamite. Ah oui, il s'est mis CEO, lui aussi. Donc, il faut pas se mettre passif, c'est bon. Calmez-vous, calmez-vous, la police, là. Oh, il a activé la ghost organisation. Oh non. Il est où, de bord? Bon, je sais pas si je peux coller un autre véhicule tout de suite ou s'il faut attendre un peu. Oh, il m'a garoché un séquel. Il reste 3 minutes. Moi, je me suis mis off the radar le temps d'appeler mon mécanique. Oh non, il est là! Il y a un autre Ramos. Alberto Ramos. Ben ouais! C'est parce que je l'ai tué genre à la manette là, ça, je t'allais pas bien. Oh boy. Donc j'utilise une manette pour me déplacer et conduire, et j'utilise le clavier souris là quand c'est le temps de se battre contre des gens. Là, George, t'es où, t'es en haut? Moitié. Ok, j'ai mon truck. Ouais. Ok. Je suis au quatrième étage. Ah, il y a la police. Je suis au deux. Donc, ma parole, la portion on fait chier les gens. On va commencer plus tôt que prévu.
Mais bon, c'est bien. Toujours. Donc Jason qui dit multi contrôle lui aussi. Donc je m'excuse un peu à tout le monde. J'essaie de lire le chat, mais vraiment comme un arriéré mental là, à la diagonale. Je vois rien que je me sens comme Stéphane présentement. Au sens que je dis juste des petits bouts hors contexte. Pas arriéré, enlevé là. C'est, ça a mal sorti. Je me sens arriéré comme Stéphane. Ouais. Oh non! C'est beau ça! Oh, c'est pas sûr que c'est le gars ça! C'est-tu le gars? Non! Non! Prends pas de chance, tue tout le monde! Il doit pas y rester un grand temps de toute façon. Non, c'est Besson. Everyone's a mother. Ouais, mais en fait, j'en profite tout le temps là. Stéphane, pour l'écœurer là, quand que. J'écœure tout le temps Stéphane quand il peut pas se défendre là. Tu veux vraiment une autre manière de procéder? Le gars il est là! Le gars il est là! Il est mort! Oh, il y a un petit bleu ici. Et si je regardais le. Je vais au radar, hein. Fait que le 3 quarts du temps, je me refonce dans les poteaux à cause de ça. Jason qui dit que le Stéphane a commencé à le piquer. Fait que qu'il le lâchera plus maintenant. Donc, Georges, on se met-tu à quelque part ou on y va de même? Va mon garage. Parce que je suis encore en cooldown pour aller. Pour le caler, là. Sauve-toi. Hein? Je peux pas le caler tout de suite, fait que genre, on va essayer le char de K2000. Ah, K2000, on va faire chier des gens avec, effectivement. Donc, la Winter's Tale de Steam. Moi, j'en ai pas encore profité, bizarrement. J'ai pas vu de deal. En fait, j'ai acheté Baldur's. Je l'ai pas encore acheté, il est dans mon. Il est comme dans ma liste. Ah, attention. Dans ta wishlist. Il est dans ma liste de ce que je veux acheter. Ah. Hélicoptère. Oh, il l'a évité. Yes, on a su un pot d'hélicoptère. Ils sont plus durs. Hein. Ils sont plus faciles. Ouais, ils sont plus durs à poigner. Vous voyez. Hein. J'ai marqué souvent les jets. Tout ce qui va. Donc c'est ça, j'ai Baldur's Gate 1 et 2 version NNS qui traînent dans mon je sais pas pourquoi je les ai pas achetés, ils sont dans mon panier. Et là j'ai vu aujourd'hui peut-être que je vais me laisser tenter par le Witcher 3 là, qui est à 20$ sans les expansions. 20$ parce que j'avais acheté dans le temps de 80, je me suis dit oh, c'est cool mais c'est pas 80. Ouais, mais c'est ça, tout le monde a trippé genre l'année passée que c'était meilleur que Fallout. Puis moi je suis tellement pas d'accord là, mais j'ai pas trippé, le 1 j'avais trippé, le 2 un peu moins, puis le 3 pour l'avoir essayé, ça avait fait comme ça ressemble, tu sais. Bon, c'est bien le fun de jouer aux cartes, mais je peux jouer à Hearthstone. Ah. Non, il est dommage étonnant. Lui. Non, c'est gun les dons, tu sais. Ouais, elle m'a sorti ici, là. Yeah, j'ai vu. Nice. Ah, si la police m'a tué, on va la paix. Ah, bon, Jason, j'aime beaucoup mieux Witcher 3 que Fallout 4. Mais écoute, si t'aimes ça, les jeux où que tu passes 48 millions d'heures à préparer une potion et à tuer un monstre et jouer aux cartes. Gwen. On n'a pas sorti le jeu Gwen comme à part. Bah ça se peut. Mais bon, je peux comprendre, mais disons que pour le. J'ai vraiment. Je l'ai essayé, je l'avais dans le lot 2. Je voulais l'acheter, je voulais le. Vu que ce genre de jeu-là ont pas de démo. Puis je l'ai pas trippé, disons. C'était pas... Ça ressemblait pas mal tout le temps à la même affaire là. Ouais, mais c'est parce que je suis pas capable, les jeux, vous le savez. Les jeux qui ont tout le temps des cutscenes, moi ça m'écœure.
suis tout le temps en train de peser ses pitons, ben, j'aime pas ça, tu sais, pis... Fait que le monde qui aime les histoires pis tout, ça va bien, sauf que là, j'étais comme tout le temps, ben on passe, skip, arrête de parler, je veux jouer. T'sais, Stéphane, lui, il aime ça, lui, je pèse un piton pis il écoute un film sur Netflix, lui, c'est un jeu, là. Mais... As-tu vu ce jeu-là? Tu pèses supplé pis ça joue tout ça. Mais, donc, Stéphane, si t'es à l'écoute, là, on t'agace. Un peu. Attends, faut que t'aies pu police avant de te donner mon chat. Ah. Bon, Georges qui a sorti le véhicule là, qu'on voulait essayer. Mais pourtant, t'as aimé Mass Effect. Mass Effect 2, c'est beaucoup de cutscenes. Hein? Oui, mais l'histoire était écœurante pour moi. Puis, en tout cas, moi j'adorais là, le... J'adore toujours ça quand c'est dans l'espace et tout. Mais là, c'était vraiment comme, tu sais, l'histoire d'amour hein, entre l'autre, la fille. Là, ça arrête pas. Jason dit, personnellement, Guy, je mets le jeu au plus dur puis je bois jamais de potion. Ça m'étonne pas de venir de Jason. Faut que ça soit tough. Là, j'ai quoi? J'ai la mitraillette? Ouais, c'est avec carré, tu peux changer tes armes. Donc on va essayer de faire un genre de petit Carmageddon sur le gars là. C'est plus fait sur le char finalement. On faisait un punch vraiment. On faisait un uppercut avec le char. Ouais mais c'est ça que j'essayais de faire, mais là j'ai manqué mon coup bien raide. Bouge pas man, m'a tué. Un l'autre, tu vas se reprendre un hélico. Là. Ouais. Ouais, ok, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la base de Meriwether. Oh, il s'est pris un Hydra, le méchant garnement. Spaghetti, oh! Pas pogner tes missiles de taille chercheuse. Ah, yes. Il est pas fait fort, ce char-là. Mangez tout de la chenoute. Tu t'es fait tuer par K2000. C'est vrai, il est pas fait solide, le char, en tant que tel. Non, mais on s'entend que c'est un char. Mais il flash. Là, je peux faire genre. Oui! Puis il manquait mon coup. T'aurais dû sortir ton parachute. Non, c'est ça, j'ai pas encore montré le parachute, là. Faudrait que tu fasses un jump impressionnant. C'est qu'il y aurait ça ici. Non, c'est vous! Oh non! Il est encore bon, il est encore bon. Par là. Oh non! Oh non! Faut que je pêche, je le tire dans l'eau. Ben, non, parce que ça va avancer. Ça jump en avançant. C'est ça le problème avec ce char là, c'est quand tu te mets tout le temps à faire des cascades qui finissent par te prendre plus de temps que si t'avais juste pris le chemin qu'il fallait. Ah, ça, je peux faire le. Non, check bien ça. Je vais faire comme ma course. C'est pas bon déjà. Ouais, la course que je faisais ici. Oh fuck, attention. What the fuck, qui c'est qui tire de moi? T'es mis invisible. Bouge pas. Est-ce que gang de pas bon? Est-ce que vous êtes imbécile? Est-ce que vous êtes mauvais? Invisible en plus.
Ben oui, ils sont invisibles, c'est comme, ils manquent tous ces coups qu'il peut manquer. Ah, confirm gun mode! Donc, toujours très important. Toujours très important d'écœurer des gars. Attention, legit. Oh fuck, legit. Bah, mec, je suis juste avec Ben, ça c'est. je vais quitter le clan pour pouvoir me mettre massif pour aller chercher mes affaires. Ok. Cool, vas-y. Ah, j'ai un bounty, tue-moi. Prends le. Tu vois. Ah, tue-moi. Dans les genoux. Tue-moi les genoux. L'autre qui dit qu'il stream lui aussi, pis qu'on est définitivement en train de modder. Donc, on est des tricheurs, c'est à ce jeu-là, c'est ça. Tu peux pas, genre, juste être. Ben, je dirais même pas être meilleur, le gars, il a manqué tous les essais qu'il a essayé à date. C'est juste pas bon. Il nous a même pas touché une fois. C'est juste ça le problème. Donc il a même pas réussi à nous toucher encore physiquement avec même pas une balle. Donc là j'ai quitté parce que quand vous êtes dans les trucs de CIO dans le fond, vous pouvez pas vous mettre en mode passif, qui peut être une bonne chose là, quand vous mettez à justement faire des genres de gangs de rue de même. Mais dans le fond c'est que tu peux pas c'est ça, tu peux pas te mettre en mode passif, tu peux pas rien faire de ces trucs là. Un moment donné ça devient nécessaire là, quand vous êtes poigné en désavantage numérique là. Donc le gars qui a son jet et tout là, donc c'est un peu tu deviens un peu comme dans un cercle vicieux là. On chante. Comme mettons que je vais aller me chercher un jet, je suis comme juste pas capable jamais là. Si je fais pas ça. Donc Jason, la moyenne d'âge, j'ai dit ça, mais écoute, on se faisait traiter, genre je te souviens de ça, on se faisait traiter d'hacker sur la PS3 là. On snipait ouais, du monde à travers les tanks là, pis c'était mon gros fun, mon frère. Vas-y. Des petites voix d'épris pubères qui devraient pas jouer là. Ben c'est ça, mais dans le temps qu'on était sur console, tu pouvais, tu sais, on utilisait le chat du jeu. Pis t'entendais, c'était que mon gros fan, mon frère Louis, avec qui je reste. Il venait me regarder comme il écoutait du hockey là. Parce que je snipais le monde dans un tank, ce qui était possible dans le temps. Puis on entendait tout le temps pendant quand tu tues quelqu'un, t'entendais comme les 2-3 secondes à suivante, puis t'entendais juste. Puis c'était notre gros fan. Lui il partait il pissait dans ses culottes comme n'importe quoi C'était comme écouter un film ou une série ou un match de hockey. Lui il écoutait ça religieusement quand je jouais. Il pouvait être c'est ça. Donc c'était toujours on est toujours de l'autre parce qu'il pensait que parce qu'on trichait. Tout le monde cheatait. Non, c'est ça évidemment. Une chance qu'il nous a reporté. Donc pas de skill, mode menu, ben oui. Moi c'est dans le fond c'est flatteur, Georges, qu'on se fasse traiter de hacker. Ouais, ben oui. Je suis flatté. Hein? Je suis qui est pas bon. Il nous a pas touché par les autres. Donc, mes chats, je comprends d'être fru parce que j'aime pas les mémos, encore moins les PVK, à cause du monde qui s'amuse à dessus. Ben écoute, l'affaire avec Grand Theft Auto Online, c'est que, comme tu peux voir, j'étais en mode passif, je peux pas tirer sur personne d'un, mais y'a personne qui peut me tirer. Fait que tant que je reste de même, je peux faire à peu près n'importe quoi dans le jeu, sans que personne me dérange. Ou je peux aller ici en mode online, puis me partir, là, probablement que je pourrais pas de même vous le montrer, mais tu peux te partir une session solo. Puis tu peux partir une session ami ou crew seulement. Donc maintenant que tu veux avoir la paix, tu peux le faire. Sauf que les gens préfèrent rager, puis t'envoyer chier, puis te traiter de tous les noms. Plutôt que. Puis le trois quarts du temps, je vais peut-être le faire. Je sais pas si je vais avoir le temps. Maintenant je m'acharne vraiment sur quelqu'un. Je lui dis, tout ce que t'as à faire, c'est de me demander d'arrêter. Puis normalement, si la personne me dit, hey, tu sais, tu peux-tu arrêter?
je vais faire comme, ben ok, je vais aller en pogner un autre. Parce que dans le fond, le fun, c'est de faire rager le monde. Mais si la personne rage pas, ben, tant pis. Sauf que 99% du monde, ben, c'est justement des petits gars beaucoup trop de testostérone qui préfèrent t'envoyer chier que de te demander d'arrêter. Donc, ben, on continue. Ben, moi d'arrêter, c'est fuck you, frag. Fait que là, c'est ça. Donc c'est notre gros fun à cette heure, comme on disait, on a tellement fait, on a tellement joué à ce jeu-là que mais, depuis des années, ben des années peut-être deux ans mettons, notre gros fun c'est juste de faire ça. Et j'ai manqué mon coup parce que je jouais plus rien. Le plus drôle là-dedans c'est d'accuser quelqu'un qui pose pas un accueil. Oh, il y a du monde qui ont commandé des affaires de drogue, je vais y aller, je pense. Donc ça, on va aller le scraper, ça c'est chien parce que les gars ont dépensé du cash là, pour avoir ces affaires-là. Par contre, là... Ma petite boutique. Oh, un petit bounty, donc j'ai besoin d'argent, je vais le faire. C'est genre ça et ça. Avec du bon Metallica en plus, toujours agréable. Puis là, t'as-tu vu l'autre se défend qu'on essaye de le tuer, puis c'est lui qui était en jet qui a essayé de nous gonner sans vraiment de raison, là. En tout cas, de mémoire, il n'y avait pas vraiment de raison de faire ça. Oh, il y a un jet, un hélico. Donc ça, c'est interdit dans la session. Et bien, un jet, personne n'a le droit de voler. C'est ça, c'est mon ciel à moi, donc c'est une zone, c'est une no-fly zone. Oh, là, je ferai pas ça parce que ça me tente pas de payer 20 000 piastres en frais de réparation de voiture parce que je suis pauvre. Quel est Chris? Raging, c'est pas un hélico. Le gars en bas. Il est en gris, ça. Il est où? Il est où? Je vois rien. Ah, il est là. Il est là. Il faut faire attention dans ce coin-ci, il y a tout le temps des gens de patentes qui se promènent. Ouais, des poteaux semi-visibles. T'es drôle. Donc, je voyais plus rien parce que c'est le soir. Mais bon, au moins il est mort lui aussi. Véhicule. Je sais pas si je le vois d'ici, mettons que je veux le sniper un peu. Bon, il est là. Normalement, il devrait être là. Et comme d'habitude, players are voting for you to be removed from the session. Improve your behavior. Est-ce que tu fais? Est-ce que je dirais des mots si je. Éteins toi. Ouais, oui, reste en avant de mon char, hacker. Je hack les crapous. Les crapous. Le gars, il reste en plein milieu du chemin. Il dit, ok. T'es mort.
Bon, on se fait-tu une petite session de sniping? Il me semble que je suis là pour ça. Ben, en tout cas, moi, oui. moi, y aller, oui. Genre. Tu peux t'amuser en jet si tu veux. Là. Tu fais bien ce que tu veux, Chris. Genre, je sais pourquoi tu. Le gars, attends, oh, ben. Hein. Est-ce que c'est le fun, ce jeu-là? Oh, shit. Oh, Baldur's Gate. Oh, de quoi vous parlez, Baldur's Gate? Meilleur jeu de tous les temps, pour moi, la série de Baldur's Gate. Comme je l'ai dit, je l'ai dans le cart, là, ils ont fait des versions NNS, dans le fond, de Baldur's Gate 1 et 2, qui sont présentement à genre 8$ chaque. Là, donc si ça vous intéresse, allez vous acheter ça, si vous êtes des fans de ce genre de jeu. Donc Baldur's Gate, on parle à l'ancienne, là, justement Fallout 1, Fallout 2, ce genre de RPG à vue isométrique qu'on avait dans le temps, que les jeux étaient plus le fun qu'ils sont présentement. Non, Mass Effect, ok, ouais, mais ça c'est Mass Effect, effectivement. Moi j'adore par contre Mass Effect 2 qui est dans mon top 5 des jeux, le meilleur jeu de tous les temps. Ça c'était bon, Knight of the Old Republic. J'aime pas beaucoup les RPG, mais ça c'en était un crise là. Là, il y a Final Fantasy là, que tout le monde a un gros hype. Moi, j'aimais pas genre vraiment les Final Fantasy tour par tour là, de ce genre-là, mais tout le monde semble dire que c'est comme. Oh non, c'est ça, apparemment que ça a changé. Là. Okay. J'ai jamais joué à aucun, vraiment, sur un Final Fantasy. Là. Ouais, moi non plus, je joue à aucun Final Fantasy. Oh, on a Soubégué qui dit bonjour, messieurs, donc Eric. Qui dit est-ce qu'on travaille vendredi? Moi je travaille pas vendredi, je travaille demain, et ma dernière journée de la semaine parce que je préfère prendre mes vacances l'été. Donc je ne travaille pas ce vendredi. Donc salut à toi Eric, merci d'être là. Dark PMB qui est là aussi, donc Pierre-Michel d'ailleurs qui a participé à notre podcast 84 pour la deuxième, ben pas la deuxième année du 84, mais pour la deuxième année de suite, nous a jasé au podcast de la fin d'année, dans le fond d'Arcade Québec. Qui encore une fois était live à partir du level up. Si tu veux me mettre un petit bounty, Georges, là, j'aimerais ça. Je veux juste dire de sniper cette affaire-là. L'affaire, c'est que j'ai pas un bon frame rate pour sniper présentement. T'as encore ton appart de 40 FPS? Ouais, ben 38. En plus, là, c'est comme la nuit, c'est encore pire. Mais normalement, il va falloir que je regarde des fois OBS, il change les trucs. Ça fait en sorte qu'il devient plus difficile à. C'est-à-dire, ils ont peur selon la méthode de capture. Donc là, probablement que je suis en mode de capture de jeu direct. Il faudrait que je fasse une capture d'écran direct. Là, des fois, tu gagnes une quinzaine de FPS rien qu'en faisant ça. Là, il répond pas. Là, je sais pas ce qu'il se passe avec mon téléphone. Là, on souhaite que. Donc, 5 notifications. Donc, il y a beaucoup trop de gens qui essayent de communiquer avec mon présent. Là. Puis là, j'ai plus d'armure. J'ai pas pensé de même l'acheter. J'ai de la heavy, on va utiliser ça. Là, je pense qu'on a End of Agony là, qui me check pour me sniper. Là. C'était capable d'aller rendre une petite visite. Lui en rouge? Non, lui en. Si tu regardes vers moi, il est à droite, là, à côté de genre de signe de pièce. Ok, ouais. En bleu, ok. Disons que sa flèche me regarde pas mal. Là. Peut-être, je pense que c'est un des gars que j'ai pété tantôt. Là. Ah, moi, j'ai pété plein de fois tantôt. Le colis. J'espère que ça va pas chier. Ok, Eric dit on sort demain soir, t'es fou. J'ai recommencé à m'entraîner aujourd'hui. Déjà que j'ai pris de la bière après le podcast, là, que j'étais pas supposé, finalement, on a pris un spa, moi et Stéphane, en amoureux. Bon, merci, Georges. J'essaie de m'en occuper, mais. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère encore une fois que tout le monde a passé un bon temps des fêtes, même si c'est pas terminé, mais moi c'est comme un break de temps des fêtes présentement. Donc 27, 28, 29, même la 30, là, même s'il y en a qui sont en congé, c'est pas vraiment du temps des fêtes. Donc Pierre plus pas plus Stéphane, j'espère que t'as pris ton Imodium, ouais. Disons que j'ai pas de problème de régularité.
Même si tout le monde me dit. Tu sais, comment est-ce que les gens ils sont. Genre, tu me connais que je suis pas un genre de grand fan des légumes et des fruits en général. Pas que j'aime pas le goût, c'est que j'ai. Non, j'ai un problème de texture. Disons que quand j'ai pris une bière, là, à un moment donné, tout d'un coup, tout va bien. Mais à sec de même, j'ai de la misère avec la texture des aliments de ce genre-là. Puis là, ben justement, j'ai fait de gros efforts dernièrement. J'en mange pas mal plus que j'en mangeais. Puis là, maintenant, je me fais des jus naturels à partir de ça. Fait que tu sais, je me fais un jus, mettons, carotte, betterave, céleri. Tu sais, toutes des affaires que je mange normalement. Normalement, ils disent que ça récupère entre 65-70% des nutriments. Mais bref, fait que là, je me suis mis à faire ça. Et les gens, plutôt que de dire, hey, bravo, tu sais, c'est déjà bien parti. Peut-être qu'un jour, tu pourras aller plus loin, mon grand. C'est comme, oh, c'est juste du sucre, puis tu perds toutes tes fibres. Mangez donc de la merde. J'ai essayé. D'ailleurs, il y a déjà une fille qui m'avait dit, une blonde d'un des gars, des chums à mon frère, qui m'avait dit que la raison pour laquelle j'étais célibataire, c'est parce que je ne mangeais pas de légumes. C'est sûrement ça, gars. Ça se voit dans ta face. Ce gars-là, mange. Ce gars-là, s'il ne mange pas de légumes, il ne doit pas manger de plat. Vous saurez que j'adore la fondue chinoise. Vous saurez que j'adore la plat. Voyons, je dors bien mauvais. Tu sais, je vais mettre ça sur la faute de mon FPS, là. Ah, puis Richard qui confirme. C'est vrai, j'allais dire exactement la même chose. Ah, elle dit, ouais, probablement à cause de la perte de fibres et tout, mais comme je vous dis, s'il y a bien quelque chose que j'ai pas de problème avec, c'est les fibres. La consistance et la régularité n'est pas un problème depuis que je vis. D'ailleurs, ma mère, dans le temps, parlant de fondue et de légumes, là, ma mère mangeait de la fondue chinoise, elle, au poulet, puis avec tous les genres de légumes que vous pouvez imaginer, donc zucchini, des poivrons, telle affaire, mais dans le même fucking bol à fondue que nous autres qui mangeaient notre fondue chinoise, ça changeait le goût. Tu sais, des hosties de brocoli, des affaires, il y avait tout le temps des morceaux qui se ramassaient sur la viande, mais ça changeait le goût du bouillon, puis ma mère, hey, non, t'hallucines. Tabarnak, ouais, man, hostie de calice, ça changeait le goût, je veux pas une soupe aux légumes, hostie, je veux du fucking bouillon à fondue. La soupe à l'oignon. Oh, de la base de la fin, donc Gab qui est là, donc the old crew qui est là au complet, là, Gab, Eric, Jason, George. J'ai-tu un bounty? Non, j'ai essayé de caler Lester, mais hein? Ça marchait pas tantôt. Il répondait pas, là. Si vous avez des demandes spéciales au niveau de la musique, dites-moi les. J'ai Spotify à cette heure. Je déteste les légumes. Ah oui, depuis que j'ai. Là, ce que je vais faire, je vais aller me chercher juste un petit quelque chose, pas du café, mais un petit quelque chose à boire. Je prends un petit 2 minutes de break, ça sera pas trop long. Donc, pendant que je suis dans ma bâtisse, donc je reviens peut-être vous mettre un petit vidéo en intermède. Donc, je vous laisse ça sur pause. Ça sera pas très 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 long, les amis. Le temps que je monte me chercher un petit quelque chose. Donc, Mirisha qui dit qu'elle est végétarienne, donc ça la fait bien rire. Ben, moi, honnêtement, puis là, je vais dire ça de même, j'ai rien contre les gens qui sont végétariens et tout, je préfère manger de la viande. Ce que j'ai de la misère, moi, c'est les gens qui jugent les autres. Donc, mettons que. Je mange de la viande devant toi, puis là, que tu me commences à me faire un sermon et tout, et tout, et tout. Là. Ça, c'est, j'ai un petit peu de misère. Savais-tu donc, que la viande, c'était pas recommandé? Savais-tu que c'était un animal, ça, avant? Qu'il avait des yeux? Tant mieux! Les oreilles, c'est pareil. C'est pareil! Il avait des belles petites fesses. Ben, tête, ben, tête. Ça sera pas trop long, je vais juste vous mettre un petit vidéo, le même. Je vais vous remettre le même que j'ai mis en introduction pour ceux-là qui l'auraient manqué, qui ne connaisseraient pas ça. D'ailleurs, j'ai pas fait la... Ça va pas bien. Non. Je mets l'autre. C'est quoi l'autre déjà?
C'est doublage QC. Donc, vous irez voir leur page YouTube, doublage QC. Si vous ne connaissez pas ça, c'est malade mental. Donc, je vais revenir ici, je vais juste m'assurer qu'il ne se passe rien. Donc, je m'en vais chercher mon petit quelque chose à boire, puis je vous laisse sur une petite vidéo comique et avec Georges aussi. Donc, peut-être juste mon numéro de camp. Hello, Georges. Hey! Rapaille tes totons dans le coin là-bas! Ah. M'a dégonflé! J'arrive. La chef Ramsey, il est pas normal. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Parle pas au mur, je parle à toi, gros rejet! Tabarnak! Check! Approche-toi de moi, là! Watch out! Tu penses faire quoi, là? Faire remuer ta graisse de toi et bord comme ça, tabarnak? Ah, ben ouais, ben, je fais de la rétention d'eau. Et quoi, de qu'est-ce? De quoi tu me parles, là? Quand t'as plus soif, Marc Hervieux, là, t'arrêtes de boire, hostie de grosse éponge de sang génie de marde! Je te boute, là! Hey, salut! Je suis sur Thunder. Toi, le vomi d'habile dans le fond, allume donc ton four, reste-tu grand cave! Va-t'en ton poste, innocent! Je sais pas quoi faire, tabarnak! Suis-moi, les pâtes! Je pensais que c'était du beurre au pistache, puis là, c'est des pâtes. Tu comprends pas, chef, tout mélangé. Va-t'en. Chef, tu comprends pas, là, c'est arrivé devant ma face, le gars, c'est tout là, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça, puis là, j'ai dit, hey, wow, là, wow, ça va faire! Monsieur, je voudrais faire une critique. Ah ouais, t'es critique, toi! C'est comme ça, il y a celui qui trique depuis longtemps. Ah, t'es qui trique, toi, Calis? C'est moi qui lise, de prendre ta face de gringo pis de la renvoyer en Espagne, tabarnak! Je suis désolé. Ah, retourne chez vous! Crise de taco de merde! Ouais! Hey, c'est moi qui dis, c'est pas qui dit, Luigi? Bon, on va goûter à ça. Ah, calice! Venez-vous-en, tout le monde! Mais oui, check ici, monsieur Crisco des calices, il y a de quoi nous montrer. Pas mangeable! C'est crissement pas mangeable! Mort des dents, c'est dégueulasse! Pas moi! J'ai envie de chier, calé! C'est pas assez assaisonné! Où le poivre, tabarnak? Fait que t'es fait chicaner! Là, il va falloir que je me mette un doigt dans le cul! Pour pas que ça me coule ses jambes, cette petite calice! Goûte à ça! Ouais! Ah ouais? Tabarnak! Je vais te donner un conseil, ma grosse face de pudding! Quand là, tu sais pas cuisiner, ben tu fermes ta crise de gueule, c'est tout! Gros crise de clown! Là, comme deux, mais il ne lâchait pas, là! Il me dit sans ça, goûte à ça, s'il me lâchait pas! Hey, sans le doigt! Arrête, c'est pas drôle ça! Lâche ta nesti, ça change pas, m'aller faire une plainte aux ressources humaines, Carlis! Envoyez ma gang d'agrès, Chris, que ça bouge plus vite que. Je pense que ça me prend un peu des frettes! Oh, yes. Tabarnak! Ma tête, elle passe juste. Relax en Christ, t'sais. Si tu reviens pas dans 5 minutes, je fourre ta femme! Tabarnak! Je sais pas cuisiner, tu fermes ta gueule! Guillaume, y'a plein de monde autour de toi. Ouais, j'ai vu ça, là. J'étais comme, j'étais en train de capoter ben reste. Donc, pour ceux-là qui se demandent c'est quoi marqué dans YouTube, doublage QC, donc c'est Gab, le boss de la fin qui est dans le chat présentement, qui nous a fait découvrir ça chez Georges, je pense, en plus. Donc, gang de Québécois qui font des vidéos drôles, pourquoi pas les encourager. Eux autres aussi, on n'a absolument aucune affiliation, quelle qu'elle soit, c'est juste que je trouve ça bien crampant. Il y a à peu près, je pense, 18 épisodes de ça. Non, c'est drôle en écrit, ça. Donc, c'est très, 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 très drôle. D'ailleurs, il y a comme deux, trois parties à celui-là, là. Payer 15$ de l'heure. Donc, vous irez voir ça. Je vais te rejoindre sur ton toit. Ouais, parce que les gens s'en allaient. Hein. Comment ça va du monde? Ouais, c'est. Attirer la racaille. Probablement que les gars s'en vont se chercher quelque chose pour décoller. Ou ils ont juste parlé. Ils sont pas en train de monter dans le. Non, dans ils s'en vont. J'ai l'impression qu'ils s'en vont. Soit qu'ils s'en vont chercher de quoi à l'aéroport ou ils ont vraiment changé d'idée. Je pense qu'ils s'en vont chercher de quoi. Ils s'en vont chercher de quoi à l'aéroport. Donc on va y aller à l'ancienne. Vite, faut que j'embarque dans mon jet le plus vite possible, c'est-à-dire. Genre là. Après ça, on appelle l'instant. Non, mais je pensais pas que la session allait tourner aussi drôle que ça. Donc j'espère que vous vous amusez autant que nous autres on s'est amusés. Les hommes vont manger des chips à force de parler de légumes. Why not? I can get it scrambled for a minute.
ça se pourrait que ça me coûte cher, là. Parce que je vais tout les éclater. Ah, Je veux voir les petits X. Tu es invisible, ouais. Ouais. Oh, c'est pas un hélico. C'est pas rien, un hélico. Ah, c'est bien invisible. Tu l'as tué? J'ai pas vu les clés. Manger toute la merde. Manger toutes nos shorts. Manger toutes nos croûtes. T'as-tu mis une sticky? Non. Au pire, non, au pire, je vais y aller. J'embarquerai en jet, ça se fait pas, mais en hélico, ça se fait. Ouh, mon petit parking à jet. Ce qui fait en sorte que techniquement, il est protégé de pas mal tout, à moins que vraiment que quelqu'un le voit en montant sans mise bank. Normalement, donc ça me permet de garder tout près un jet qui ne se fait pas péter. Et je fais toujours tomber ça pour faire tomber la clôture, question de pouvoir passer dans le fond de la section intérieure et extérieure plus facilement. Donc, ils sont en hélico là-bas. Ouais, ils sont en hélico. Je vais changer de spot. Probablement qu'ils pensent en plus qu'on est genre en haut complètement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu le secret dans le fond. Ben, le secret. C'est que les gens qui connaissent pas ça ont l'impression, c'est pas ça pour tout, qu'on est en haut de la bâtisse et non dans le milieu. C'est pas tout le monde qui connaît cet espace-là. Merde. Ah, je vois l'hélico. Aussi. On va essayer de tirer dessus. On va essayer de pogner le retard en arrière. Ah, puis c'est un hélico bien normal, là. Y'a pas d'armes là-dessus. Ah. Vise le retard au pire. Oh, il a tué un coup. T'as pogné le retard, man? Attends, le son, là. Hey, les gars, ils lag, là. Ouais, ils lag. Hein. Ils lag. Tu veux spawner à terre, là? Je sais pas, là. Ouais, il a l'air d'être en dessous. Là. C'est soit que moi qui lag ou eux autres, là. Ouais, ils lag en ici, hein, parce que... Tout le monde lag sauf nous autres, ça marche pas. Ah rien, je suis bien mauvais. Ça, je vais mettre ça encore une fois, c'est la faute de mon FPS. Là, je m'excuse les gars, mais je suis plus trop au chat, là. Je suis comme en plein combat là. Nice exploit, what? Donc, Coralex27, salut, ça va, et merci pour l'endroit pour me cacher des gens. Donc, si tu parles de ces fameux spots pour te cacher du monde, effectivement, c'est un de nos spots. En fait, c'est devenu le spot préféré. Là. On a eu plusieurs dans notre carrière. D'un, salut, j'espère que tu as passé un joyeux temps des fêtes. Merci d'être là. Mais effectivement, c'est rendu pas mal mon spot pour niaiser favori. Ha ha ha!
Donc là, les gens sont vraiment... Là, l'autre, il a dit que j'utilisais un exploit, puis genre un endroit où ce que les gens peuvent pas me tuer. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle. Donc un gros merci à Corlex27 de suivre Arcade Québec. Arcade Québec, un podcast sur l'industrie du jeu vidéo avant tout. Et présentement, tu écoutes et vous écoutez ce qu'on appelle les mercredis Twitch où on vous fait découvrir ou redécouvrir des jeux. Donc présentement, on vous a montré surtout la nouvelle portion des DLC Import-Export dans le fond. De GTA Online, mais là, on est en mode, on écœure tout le monde. En fait, c'est les autres qui nous ont écœurés, on n'a rien fait. Non, j'ai écrasé quelqu'un en char, puis ça a fait ça. Mais non, on fait jamais rien de même. Oh, Stéphane qui est de retour, donc je sais pas si Stéphane nous espionne depuis tantôt pour savoir si on va l'écœurer pendant qu'il nous écoute pas, là, comme il... Ça fait 2 heures qu'il est là, lui, hostie, moi, il est pogné. Après, la grande élite. Parce que c'est rendu un running gag. On écœure Stéphane, le boss d'Arcade Québec, pendant qu'il n'est pas là. Donc, le podcast Stéphane, c'est l'animateur et le boss et le gars, la tête derrière ce beau projet qui est devenu Arcade Québec. D'ailleurs, on l'annonce en un primeur, entre guillemets, tantôt je l'ai annoncé. Mais on a fait le podcast 84, dans le fond, on level up ce lundi de dernier, donc de cette semaine, le 26. Et on refait ça le 2. Par contre, je sais pas si ça va être un podcast live comme on a fait, dans le sens que pas sûr qu'on va amener les haut-parleurs et tout, et cracher le son dans le restaurant. Donc peut-être plus comme un enregistrement classique comme on le fait chez Stéphane, mais qu'on le ferait au level up le 2. Donc si vous voulez venir nous voir dimanche, en fait c'est lundi, on refait ça au level up. Et le but, c'est de faire ça à chaque début de mois au level up pour notre plaisir et le vôtre. La crise de Jason. Le gars au Prince Albert du sourcil. Il y a des. Il y a de la drogue, genre. Oh, la drogue. Il y a de la drogue, mais un jet aussi. Mais je pense que je vais aller chercher la drogue. T'es où la drogue? Est-ce loin? Ouais, elle est en haut, mais j'ai mon jet, nous, donc je vais aller voir ça. Ah, vas-y. Donc, Alex qui dit qu'il a hâte d'avoir GTA 5 sur PC. D'après moi, il arrive bientôt, par exemple. Non. Peut-être pas le dernier, tu vas pas pour une dernière, mais les deux en haut, je pense que ça va. Donc sur PC, ça vaut la peine, surtout au niveau des performances qui sont vraiment très très hautes. Par contre, le problème de modeur est un petit peu plus présent que sur les consoles présentement. Ça s'était corrigé. PS4, il me semble qu'il n'y en avait pas bien. Ça, on n'a jamais vu PS4. Jason qui dit... Je vais peut-être jouer avec vous autres à un moment donné, les boys, donc qui est level 50, ben t'as rien qu'à nous suivre, Jason, on va te le... Ah, oh, checker ça! J'ai pas dit les boys, j'ai dit les bois. Les boys. Donc, vous pouvez voir maintenant un modeur qui m'a sorti de mon jet. T'as sorti de ton jet? Ouais. Donc, probablement qu'il a vu que je m'en venais, donc les gars, là, quoi que je trouverais ça spécial qu'ils vendent la drogue et qu'ils décident de nous sortir de là-dedans, là. Donc, on a pu le voir, ce que ça donne. Des fois, ils veulent juste s'amuser, mais ils veulent pas se faire chier. Non, gars, bon, là, mon parachute commence à faire des niaiseries aussi. Là. Ouh, Donc, on parlait justement des modeurs. Ça, vous venez d'en voir un exemple. Ils vont faire ça avec moi si je veux. T'es pas rendu loin? Non, fait que... Ok. Mon truck s'est mis à faire des niaiseries. Fait que disons que ça se peut que le stream finisse là-dessus. Genre, j'ai quand même rendu presque 10 heures. Là. Donc, je vais juste rouler à l'envers, question de participer au... Donc, j'ai réussi à prendre le premier rang, c'est bien ça. Avant ça, je peux faire un tour de roquette dans les montagnes.
Oh, ok, ouais, on pourrait faire ça. Ce que je vais faire, genre, je vais juste quitter la session, puis je vais revenir te rejoindre. Donc, c'est comme un truc que j'ai trouvé, et donc, le party commence, effectivement. Donc, souvent, ce qu'on fait de même... Ben, genre, tu viendras me suivre dans ma session à moi, là. Ouais, ben, tu me diras... Je vais me trouver une autre session. Peut-être une nouvelle session? Okay. Non, j'ai quitté le mode en ligne, mais je vais y retourner. Ah, ok. Dépendamment si tu rejoins, si tu remets direct avec moi ou pas. Bon, juste... Bon, d'accord. Ouais. On va bien voir. Donc souvent, c'est ce que je fais là pour si je joue avec quelqu'un là, puis que. Tu sais, dans le fond, la façon que je le vois, c'est que le gars il a activé son mode sur moi, puis là, ça. Dans le fond, je suis comme pogné avec ça tant que je quitte pas la session. Fait que souvent, je vais juste quitter le mode online, puis je vais rejoindre la session de George ou peu importe qui joue. Puis dans le fond, ça fait comme régler le problème tant que le gars là, ça change quelqu'un d'autre. Mais tant qu'à faire, tu changes de session pour éviter qu'il y ait des modeurs. Et quand on parle de modeur, on parle vraiment de quelqu'un qui a double-cliqué sur un EXE que quelqu'un d'autre a fait, puis qui pèse sur des pitons pour faire chier les autres. Donc, l'attaque des gens fruits, ben c'est ça, là, c'est que probablement quelqu'un qui a vu que j'étais en jet, puis qu'il a décidé qu'il allait me faire chier, parce que ben j'étais en jet, puis pas lui. Puis comme on est meilleur que les autres, ben c'est de même qu'il s'en sort. Donc, on a un gangster tata qui nous dit un petit salut, donc yo à toi. Merci d'être là. Effectivement, je rejoins ta session, Georges. Donc, tant que ça ne refait pas. Tant que ça refait pas des niaiseries. Donc, je vais juste éviter, dans le fond, de prendre un jet. Donc, merci d'être là. Merci d'encourager Arcade Québec. Arcade Québec, un podcast sur l'industrie du jeu vidéo. Mm-hmm. Donc, tu t'en vas où, toi, là? Ben, moi, t'es sur le toit, là, je vais aller te rejoindre. Ah, bon, ok, bon, allez prendre Elif. Avec mon buzard. Donc, gangster, pas gangster, gangster, effectivement. Gangster, oh. Jason qui vient de se rendre compte du nom de mon club, donc le Poco Jazz, le Pogo Jazz Club. Donc, c'est tout à l'honneur. Tout à l'honneur de Stéphane. Et Stéphane, d'ailleurs, qui ne joue pas à GTE. Donc, je suis sur quelle console? Effectivement, je ne l'ai pas marqué. J'aurais dû mettre ça sur mon... Donc, je m'excuse, mais je suis sur PC présentement. Donc, normalement, je le mets dans mon tag, mais tu me fais penser que j'ai complètement oublié de le faire parce que, justement, ça évite qu'on pose des questions. Ben, toi. Nice job. Il a spawné. C'est un petit coup facile. Donc, excellent. Donc, tout le monde trouve ça très, très hot comme nom. J'ose croire que c'est ça. Tu t'en vas dans les montagnes pour faire quoi? Quoi faire? Du rocket voltique. La meilleure chose à faire avec ce char-là, c'est faire de la montagne. Donc, Stéphane, ouais, c'était ça, mais Stéphane... On s'entend que Stéphane, quand il dit qu'il a joué, c'est qu'il a, mettons, il a peut-être passé la campagne solo, puis il a joué à GTA Online une fois, il s'est fait descendre, puis il a fait comme « joue plus ». Donc, probablement... C'est de la merde. De la merde, si tu me fais tuer. Ah, par contre... Hey, mon hélico, il chie. Bah, c'est ça que je te dis, là. Ah, de pas moi, c'est le modeur qui me... C'est le modeur, lui, il voit comme un véhicule volant, puis il fait comme « je vais le faire chier ». Ah! C'est ce qui s'est passé tantôt. Au pire, on change de session, mon genre. Ouais, on fait ça. Pas une nouvelle session. Ouais, je vais te... Bon, en attendant, je vais voir si... C'est qui m'a écrit. C'est pas poli de faire ça, mais je vais quand même regarder. Donc, Stéphane qui écrit, des pouces. Des pouces. Des pouces partout. Voyons donc. La mère de Carrie Fisher, je pense que c'est ça que les gars parlaient tantôt. La mère de Carrie Fisher est morte la journée d'après. Voyons. Mm-hmm. De façon naturelle ou bien. Ben là, je sais pas, j'ai pas lu. Donc, tout va bien, dans le meilleur des mondes possible. Donc, Jason, je t'ai pas oublié, là, on s'en va jouer à Heroes après. Là. Ouais, c'est ça, pas une très bonne. Et on a un petit jet qui vient nous amener, mais je suis en mode passif, fait que, ben, j'ai de la chenoute. Donc, voyons donc.
Donc, Catwoman 84, dans le fond, c'est 4, ça. Donc, qui dit « Aujourd'hui, morte d'une crise cardiaque. » Eh ben, comme sa fille, dans le fond, elle aussi, c'est le problème de cœur. « Joyeux Noël. » Joyeux Noël, ouais. Ouais. Ben, c'est vraiment des noobs, man. C'est les gars de tantôt, c'était Ninja, pis tout, sont allés voler des jets à l'aéroport. Pis là, ils tirent des missiles dans les jets. Donc, petit truc de début. Ben, pas de débutant, mais. Je suis rendu dans la session. Ah, cool, je m'en viens. Vous utilisez pas les missiles sur un jet, jamais. À part, mettons, pour tirer sur un autre véhicule volant. Vous utilisez les mitraillettes sur le jet. Beaucoup plus efficace. Donc Stéphane, effectivement, là, je viens de. Il y a la presse qui m'a envoyé une alerte pour dire ça. Là. Donc c'est assez. C'est un peu épouvantable. Hein? D'ailleurs, je vais regarder si le Canadien a gagné. Donc, est-ce qu'on a vu Friday the 13th, le game? Moi non. Ben, j'ai vu Twitcher une couple de personnes. Ça a l'air spécial. Ça a l'air le fun 2 heures, mettons. Mais je pense que c'est comme en alpha encore. C'est, oh, ça se c'est peut. Une version complète. Je suis pas au courant, malheureusement. C'est pas le genre de jeu qui m'intéresse tant que ça. Pas Canadien 3, Lightning 2, troisième période. Apparemment que Weber a aussi tué quelqu''un. Alors que Jason lui dit que ça a l'air nice. Je suis dans ta session. Parce qu'il est biaisé parce qu'il s'appelle Jason. Ouais, ouais, t'es dans ma session. Eh bonne. Eh bonne idée. Oui, bah. Toujours passé deux fois. Donc, on va terminer le stream là-dessus, dans le fond, c'est qu'on s'en va. Le bout où ce qu'on écœurait des gens semble terminé. Donc, on s'en va faire des niaiseries dans les montagnes. Avec la Voltic à roquette de Georges. Georges qui m'attendait. J'ai finalement pris mon propre. Vos montagnes. Vos montagnes, je vais aller voir le petit bounty qu'il y a là. Je vais essayer de le pogner à l'ancienne avec un buzzer. Là. Donc ça se peut que tu sois obligé de venir me rechercher. Ouais, je vais rester pas trop. Hey les gars, venez me chercher. Venez me chercher, les gars. Ou que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, là. Missile. Oh, je l'ai pas perdu. Je l'ai pas perdu tant que ça. Ça doit faire un an et demi que j'ai pas fait ça. Tant que c'est pas des modeurs. Là. Ouais, c'est ça. Donc, on a Walk. Walk Sanash qui nous demande est-ce que je suis sur PC. Oui, effectivement. J'ai encore oublié de le mettre dans mon site, mais effectivement, je suis sur PC. Et merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Merci d'ailleurs à tout le monde qui nous ont followé aujourd'hui. Sachez qu'Arcade Québec, c'est avant tout un podcast sur l'industrie du jeu vidéo. Donc, un podcast d'environ une heure et quart par semaine, complètement gratuit. Donc, vous pouvez aller voir ça sur notre site arcadequebec.com pour nous encourager davantage. Donc, faites des petits likes, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça va nous aider. Et vous écoutez présentement ce qu'on appelle les mercredis Twitch. Donc, on vous présente des jeux les mercredis, autant nouveaux, anciens, AAA, Kindy. Donc, aujourd'hui, on parlait du DLC de GTA qui est sorti il y a 2-3 semaines. Import-export. Import-export, c'est ça. C'est ça. T'es bien rendu loin? Ben, je sais pas, je m'en allais dans la montagne, moi, là. Reviens vers nous. Ok, c'est pas la même montagne. Ouais, bah ben, peu importe. Là. Une montagne. Une montagne quelconque. Ouh, avec les éoliennes, ça pourrait être drôle, ça. Donc, j'étais un expert du buzzer dans le temps qu'il n'y avait pas d'hydra. Maintenant, le buzzer est un peu devenu obsolète. Allô, montagne! Ah non!
Gab qui dit que je ressemble au gars à Génial. Gars à Génial? Bon, ouais, le. Comment ça s'appelle? Martin Carly. Ah, je sais pas. Elle connaît pas, lui. Alors, c'est une expérience vraiment géniale. On peut voir que la voiture vole. Car elle a des réacteurs, et les réacteurs volent. De retour à toi, Stéphane. Ça a l'air passionnant. Non, l'émission est le fun, sauf que c'est... il dit souvent la même chose pendant 5 minutes. Là. Le même genre de ton aussi. Ouais, c'est ça. Ah, oh, j'ai pas pris d'hélice. Donc, on dit que l'imitation est parfaite. Disons que, pour ceux qui me connaissent, en fait, Eric, lui, il l'a vécu longtemps pour avoir été coloc avec moi pendant genre de 6 mois, 1 an. On s'amuse beaucoup à rire des gens de la télévision. Ben, c'est pas Stéphane! Oh! Essayons d'aller sur le mont Chiliad demain. Oh non! Allez, j'avais pas déjà compris. Ouais, je vais prendre mon, ma TV et puis je vais m'a te suivre un peu. Quoique, je serais pas capable de te suivre. Non, tu pourras pas me suivre. On se déplace pas dans les mêmes dimensions. En fait, je devrais reprendre un hélicoptère et juste t'observer. On va prendre un hydro. Ah, oui. Donc, Georges va faire des péripéties, puis on va essayer de pas se faire rentrer dedans en hydro. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Effectivement, Jason, c'est important de rire de soi-même. C'est quoi le dicton? Si on vaut pas une risée, on vaut pas grand-chose. Et Georges qui tombe dans la prison! 4 étoiles, et voilà. Il n'y a plus aucune façon de sortir de là! Ah, ça ouvre, ça, Star! Ben non, mais on est encore en dedans de la prison. Ouais, mais... Ah, tu m'as volé! Ah ouais! Oui! Ah, je vais appeler Lester. Faut plus Chris. Ouais, faudrait que je suive le vol. Ouais, c'est bon. Okay. Oh hey! You're in trouble. Okay. I'll deal with it. Hallelujah! Stéphane qui a gagné une game de Madden, Gab, la semaine dernière, parce que j'étais chez lui. Donc, la seule raison pour laquelle... Ouais, mais en fait, ce que j'ai dit à Stéphane, c'est que vu que j'étais là puis que j'y jasais pis tout, probablement qu'il a, il a arrêté de réfléchir un peu. Donc, il était pas aussi déconcentré ou concentré à bien jouer. Là, disons, il a plus joué naturel. Donc, j'attribue maintenant la victoire à Stéphane à moi. Tu relaxes, mais t'as l'air constipé, man. Bon, on aime ça, je pense. Hey, salut les Queen! Tu vas à Devino? Vas à Devino? Donc, on va finir ça sur ces belles cascades de Georges qui va probablement péter son temps. Ben, vas-y. Non, ce genre-là, il est dur en crise à péter. Hein? Ouais, mais c'est vrai, il n'y a pas de moteur dedans, c'est une voiture électrique, doit-on le rappeler. Qui à l'origine est le char que je préférais quand j'ai commencé à jouer. Par contre, on a très rapidement... Mais là, avec un réacteur, ben, je veux dire l'original. Ouais, ouais, l'original, ça, je pense que tu peux pas le péter non plus. Non, il était excessivement dur. Guillaume, débarque de ton jet, puis essaie juste de voler mon char. Je vois si ça marche. Attends un peu. Pas de suite, pas de suite. Pas de suite, touche pas! Ouais, c'est trop de merde! Vas-y! Essaye! Essaye de le voler, là. Non! Il dit que ça t'appartient. Ah! Ah, mais c'est supposé donner un choc. Ça doit pas donner le choc? Non. Bah, peut-être parce que je suis ton ami. Ah, ouais, mais non, c'est pas supposé être bon. Oh, on a Vachon! Ok, c'est là! Short de K2000. Donc, salut Vachon, merci d'être là. Oh, ouais, mais ça se pourrait, ça. K2000, de qui? Vachon. Parce qu'il y avait dû les deux, mais le Voltique, plus ce char-là. C'est pas grave. Alors que Georges est complètement parti. J'ai plus aucun idée là.
Tabarnak! Alors, voilà, on est ici. Il est en... Donc, doit-on le rappeler, c'est une voiture. C'est un avion, c'est une fusée. Ah. Oh. J'ai le goût de tuer du monde encore. Donc Jason qui demande si tu l'as payé cette voiture-là, effectivement, c'est une des voitures que tu dois acheter et même débloquer là. Ben non. Non, tu, pas, si t'as débloqué, c'est parce qu'elle va te coûter moins cher. Mais effectivement, faut l'acheter. Okay. Elle venait avec le nouveau DLC. C'est vraiment ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que le nouveau DLC apporte vraiment pour la première fois des véhicules roulants, si on peut dire, de assez extrême. Là. La K2000 est quelque chose aussi. En fait, on devrait peut-être juste finir en montrant la K2000 pour terminer ça. Ah bah oui. Ouais. Moi, je suis allé planter mon char dans la rivière. Dans le... ouais, fais-nous une cascade blanc. Avec un parachute. J'en saute... Je suis pas de parachute. Ben oui. Ah ok, ouais, mais... ok, ouais. Ok, c'est bon, je vais essayer ça. Tu me regardes-tu, là, papa? Saute par-dessus moi! Oui. C'est pas... J'ai aucune idée. Je suis environ là. Ok. Ah non. Okay. Mec. Donc, Stéphane qui sauve, merci. Oh, oh boy. C'était presque ça. Ok, essaie de me rentrer dedans. Eh, hey, ici, je suis pas en mode. En parachute. Donc, merci à toi, Stéphane. Stéphane, le boss d'Arcade Québec, l'animateur et le trésorier aussi. Le président, le vice-président. Le président, le vice-président, le concierge, le tout. Donc, peine pour moi. Faut que j'aille à mon garage parce que sinon on va attendre ça. Ben, attends une minute, je vais te. Veux-tu mon jet? On va aller plus vite. Ah, ben ouais, ok. Bon, quand les mettre 20 puis au pire, je me. Je sais pas, mais je fais. Au pire, je reprendrai. Ouais, mais quand tu l'as. Que j'en recollerai un jour. Je suis rendu, tu le recolleras, ouais, c'est ça. On est intelligent de même! Ben. On n'est pas juste beau, on est intelligent aussi. Hey, maudit jet! Voir combien de temps tu peux te faire. Pas très longtemps. J'ai même pas tourné encore. Mais tout ce que j'aurais à faire, c'est rester couché de même. Oh non! 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 Une crise de bonjour, pareil. Ouais, ben ça, sachez-le, hein, les pogos, on a deux bottes, donc. Faut que vous combiniez les deux bottes ensemble quand on est chez Stéphane et quand on est ici. Considérant que les pogo points valent rien, ben on s'est dit que c'était pas si grave que ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mécanique. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? I'll bring it by. Je vais arriver dans pas long. Alors qu'on regarde, on calcule et on mesure là, la longueur de nos pogos dans le chat. De nos e-pénis. Donc Gab qui dit « Faites quoi le 31? » Là, moi je fais rien. Vu que moi, je n'ai pas de vie. Donc on a tous rien de prévu. Donc, faudrait peut-être se prévoir un petit quelque chose. Ça serait bien. Effectivement, j'ai le contrôle des bottes et je fais ce que je veux pour montrer à quel point je suis important. Donc, tel un roi dans son royaume. Pas mal ça, un roi dans son royaume. Hacker à GTA. Ouais, je donne de l'argent pour avoir de l'importance. Prenez mes sujets. Voici de l'argent. Alors que là, j'ai probablement... Ton jet, ah ouais. Si tu veux.
Bon, là, je suis en avion. En malheur. Ah, ouais, ça va être lent. Quoi que je vais prendre mon jet, moi, peut-être en profiter pour éclater 2-3 personnes. Là. Parce qu'en malheur, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais. C'est un genre de malheur avec des guns. Ça pourrait flasher un vieil avion de la Deuxième Guerre mondiale. Flasherait en maudit à deux. Ben en fait, la première à deux ailes. Là. Ouais, ben il y en a un dans l'avion de même, sauf qu'il n'y a pas de gun dessus. Ouais, c'est ça. Le Duster. Là. Oh boy, le Jason a mis une condition, faut qu'il y ait des femmes. T'as probablement pas choisi les bonnes personnes pour ça. On n'est pas vraiment reconnu. On n'est pas vraiment reconnu pour ça. Là. On peut se déguiser en femme, par contre. Surtout Georges. Ah oui, moi j'aime ça me déguiser en femme. J'aime assez ça. Je m'appelle Gisèle. Georgette? Gisèle. Gisèle l'a pas propre. Bon, je m'excuse. Ok, il va avoir de la femme, pis c'est pas le 31, c'est le 30. Bon, je m'excuse. Effectivement, j'ai fait. Oups. Bon, Stéphane, j'ai lu juste des bouts de phrases, pis j'ai interprété ce que je voyais. Je m'excuse. C'est pas dans mes habitudes. Dark PMB qui a probablement 10 femmes comme un zombie, genre de cerveau femme. Effectivement, Georges doit pas être en femme, lui qui a le teint basané. Non, je suis assez cute. Hey, il y a quasiment pas de monde à faire chier dans cette session-là. Hein? Il y a des grosses fesses de latino, c'est surtout ça qui est. C'est l'avantage en femme. T'es très beau aux atouts. Ça veut dire que t'aimes mes moves. Hey, y'a un char de deux ici. Un petit peu plus loin. Vas-y! Le Georges, qu'on le voit pas, mais il est à Saka 2000 ici. Là. Il l'a. Juste là. Il l'a. Non, Georges, j'embarque avec toi. Yeah. Arrête! Ouais, t'es. Ah, t'es essayé dessus de toi. Donc, on termine ça dans la K2000 dans Kit. Avant d'aller jouer un peu à Heroes of the Storm all stream. Donc, aller faire. Ben, en tout cas, moi, aller faire mes daily quests avant d'aller me coucher. Ah, ben, jouer une petite game peut-être bien, une deux, ça va dépendre comment ça va aller. Oh, il est où lui? Il est dans la rivière? Donc on va prendre ça et on va prendre la souris. Oh, ok, non, je pensais que le parachute changeait à chaque fois, mais c'est toujours le même dessin. Donc le Jason qui parle du 31, écoute, il faudrait s'organiser un petit quelque chose, là. Je sais pas où, on pourrait peut-être faire ça ici, ça fait longtemps qu'on n'a pas rien fait chez nous. Je suis bien d'accord. On va regarder ça. Je suis pas fermé à l'idée, surtout qu'il y a un beau petit spa ici, ça fait des beaux parties de fin d'année. Ah. Par contre, ça serait beaucoup mieux s'il y avait des femmes dans ce spa-là. D'ailleurs... Non! D'ailleurs, Georges qui est jamais... Je suis pogné! Donc on va essayer de regarder ça. Je suis d'accord, donc on est tous bien d'accord. Y a plus de table de babyfoot, malheureusement. Tout crissé le camp.
Donc là, je sais pas si cette bande-là sauve de nous autres. T'es... Ah, je sais pas. Ah, il a pas dit. Eh, on s'y. Il y en a plein en plus. Au secours. Donc, Mirisha, 31, qui dort chez sa mère, qui va sûrement écouter le bye-bye en buvant du champagne. Donc, c'était un petit peu bizarrement dit. Ah shit, t'es sauvé. Non! Sauve! C'est vraiment de nous. Non. Je vais sauter sur lui. Oh! Oh, je m'excuse. Hey, il a laissé de l'argent. Ouais. Hey, hey, il y a des 30 sous là-dedans. Hey, il y a des 30 sous. Saute-y dessus. Ah! Ouais. Ah, tu l'as sauté dans le gars. Alors que Jason invite Mirisha chez nous. Ben écoute, pourquoi pas? Il y a un spa, pourquoi pas inviter des gens? Donc, t'es à Montréal, pas de char, effectivement, ça va pas bien. Surtout que la température est tellement de la merde présentement. Stéphane qui est descendu chez nous comme dans la tempête de verglas, c'était pas chic. Ah ouais, ça. C'est pas carré. Moi, ce que j'aime, c'est, je sais pas si vous le voyez, là, le dash digital qu'on voit qui fonctionne. Là, présentement. Ouais, moi en première personne, je l'ai mis pour caméra sur le bumper. Ah, ok. On dirait que c'est une pause de lutte. Non, je répéterai pas ça, mais Jason. Qui fait des jeux de mots. Et Georges qui joue plus parce qu'il check c'est quoi qui est écrit. Donc Georges, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'on avait à montrer. Donc là-dessus, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire de quoi. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci, Georges. On se reparle dans Heroes. Yes. Yes, à tantôt. À tantôt. Donc, un gros merci à Georges qui a joué avec nous autres alors que je continue. On va le laisser rouler. Dans le fond, encore une fois, un gros merci à tout le monde qui a été là ce soir. Un stream qui s'est prolongé, ma foi, de quasiment une heure supplémentaire. Donc, bon. On avait du fun, pourquoi pas. Donc, gros merci, Jason, Mirisha, The Dark PMB, Pierre-Michel. On a eu Gab, on a eu Sablon, on a eu Dimitricus, on a eu... je l'ai étudié, Mirisha, oui, Cody. Donc, on a eu un paquet de gens, Vachon, qui est venu faire son tour aussi. Donc, un gros Stéphane. Un gros merci à tout le monde. Donc, j'espère que vous profitez de votre temps des fêtes. Donc, bon, c'est merci beaucoup. Merci, encore une fois, d'encourager Arcade Québec. Donc, je vais juste en profiter pour quitter, pour arrêter de faire du bruit pour rien. Donc, je vais juste faire en même. Donc, finir ça, bien sûr, en faisant un retour sur la page d'Arcade Québec. Donc, bien sûr, Arcade Québec, c'est un... J'ai pas pensé de remettre ma musique, hein, je suis un peu niaiseux. Donc, Arcade Québec, c'est un podcast sur l'industrie du jeu vidéo. Donc, allez voir ça, podcast 84, qui est disponible dès maintenant. Donc, enregistré lundi dernier, le 26, on était en direct du bar Le Level Up. D'ailleurs, on commence une genre de série. Une série, ouais. Juste comme un petit événement, le fun, où on va streamer chaque premier dimanche du mois au Level Up normalement. Donc, il n'y a rien de confirmé encore, sauf le 2 janvier, c'est sûr qu'on est là, à partir de midi, live du Level Up. Donc, si ça vous tente de venir nous voir, on va être là.
Donc, dans le fond, en plus, c'est une bonne occasion pour les gens de venir jaser avec nous autres. Si ça leur tente, un dimanche où on fait pas grand-chose normalement à part aller faire l'épicerie le lundi, le dimanche matin, puis en passant, c'est probablement la pire journée pour aller faire ça. Je vous recommande fortement le dimanche à 10h du soir ou genre du lundi au mercredi à 9-10h du soir. Ça, vous allez être tout seul, donc c'est le mon truc de me... Mon truc de faire l'épicerie pour les gars qui n'aiment pas les gens en général. Surtout dans une épicerie où ils font un peu n'importe quoi. Donc, barre de gaming, le Level Up, bien sûr, le podcast rétrospectif de l'année. On revient sur toutes les grosses nouvelles mois par mois. Donc, on fait un peu à la... Pas à la bye-bye, mais à la Jean-René Dufort, si vous voulez. Mois par mois, mais avec moins d'humour. Donc, c'est un lundi, effectivement, je m'excuse. C'est que normalement, on va faire ça les dimanches, les premiers dimanches du mois, sauf qu'on fait ça le 2 parce qu'on est en vacances. En fait, le 1, c'est le dimanche, donc on ne fait rien. Donc, normalement, c'est les dimanches, mais là, ça va être le 2, donc un lundi, effectivement. Donc, un matin à 8h, on était 3 dans le GA, effectivement, sauf que c'est pas un dimanche. Un dimanche, quoi qu'un dimanche à 8h, c'est pas si pire, mais rendu à 11h, c'est comme... C'est comme si toutes les familles avec des enfants se sont dit « Mon Dieu, on va aller faire notre épicerie, ça va être le fun, après ça, on va pouvoir aller au McDo, il va y avoir personne. » Ben oui. Donc, la fameuse sortie épicerie McDo le dimanche matin ou le samedi matin aussi, c'est la même affaire. Donc, à éviter. Pour les gars célibataires qui veulent pas voir de monde quand ils font les épiceries. Donc, allez voir ça. Bien sûr, encore une fois, on est disponible sur toutes les plateformes que vous voyez ici. Si vous voulez nous encourager, partagez la bonne nouvelle. Faites des likes, abonnez-vous à nos différentes plateformes. Facebook, Twitter, YouTube, iTunes, Google Play. On est sur toutes là-dessus. Twitch, Twitter, tout ce que vous voulez. Donc, allez faire des petits likes. Allez partager la bonne nouvelle. C'est du contenu complètement gratuit qu'on vous offre. Donc, encore une fois, un gros, gros, gros merci à tout le monde. Je vous laisse là-dessus. Bonne fin de soirée à tout le monde, les joyeux 31. Si on ne se revoit pas.